exact, ça fait 1 minute 30 que je t'attends, j'ai lancé. Que je voulais montrer qu'en multi, c'était dégueulasse. Il y a des gens qui campent chez moi, il y a des grands manos Oui, c'est dans ça. mon garage. Et Bonjour mon à pote-peur, tous! ils vont acheter des garages à LA et il va venir squatter chez moi. Ferme-moi ta gueule là. Mais calmez-vous, monsieur. Bienvenue pour un nouvel épisode des folles aventures de Jackie et Michel. Mais non, Et Michel, il est pas Michel pas content. content. Parce que Michel, il Mais vient de Michel pas découvrir. content. Parce que Michel, il vient de découvrir le multi. Il vient de découvrir que dans son entreprise, eh ben. Je m'en Il rebelle. y a des autres gens Voilà. qui ont acheté la même entreprise. C'est complètement débile, mais bon. Il n'a pas découvert ça. Il joue trop en solo, c'est pour ça. Alors, bah tout de Non, suite. c'est que je vais pas beaucoup chez moi. Oui, va dans l'émission. Tout de suite, je vais aller dans l'émission. Voilà. Je vais regarder Offre, dans World of Truck contrat. normalement. Ouais. On cherche un Las Vegas, tu m'avais dit, Et on c'est va ça? essayer de trouver un Las Vegas. Vegas. Mais tu vois, non, il y a encore des trucs Covid, donc c'est pas fini. Ben c'est Il y bizarre a des trucs non? Covid San Francisco. Tu Ben vois ce que j'avais c'est dit? bah ouais C'était, ils avaient écrit encore en cours. Ils normalement l'ont peut-être c'était repoussé un fini. peu. Peut-être. Est-ce qu'on a. Attends, Las Vegas, ça va être compliqué. Ah, est-ce qu'on peut pas mettre par destination? Toi t'as cliqué sur quoi? T'as cliqué sur le. Prix. Non mais Bah, le sur prix en bas. les offres, le truc, la planète Contrat externe. Ouais. Ouais. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir. Ah Ouais, si, j'ai un Los Angeles. Ah non, j'ai un Los Angeles, Los Angeles. d'accord, ouais. Non, c'est Ok, pas man. ça. San Francisco, Offre Houston, de Tucson. traction. Attends, je peux pas trouver par destination. Destinataire, ça marche comment ça? Holbrook. Ah, on n'a pas. Oh, c'est con, on voulait se faire un petit Californie, Nevada, Vegas. histoire de changer un peu. Moi, je Ouais. voulais aller à Vegas, j'ai jamais vu. J'y suis pas allé depuis longtemps donc mais Ouais. dans ma dernière Pas sauvegarde, trop j'y suis pas Nevada. allé donc Attends, Nevada, j'ai quoi ici? Je viens d'en voir un, j'ai pas fait gaffe. Socorro. Non, Carlsbad, c'est Nouveau-Mexique, ça, Edem. Je vais essayer de trouver un truc. Pas Nevada? Oh là, Nevada! Ah, c'est pas ouf, hein. À Reno, j'ai moi. T'as Renault? J'ai Reno, ouais. Attends que je Tiens, on regarde. peut se tenter un Reno. Renault. Il est Moi, où je viens à Renault? Los Angeles, pièce automobile. Bakersfield. Attends, faut Et que. 549 miles. C'est À ce le seul moment-là, bullshit on que peut je se connais. faire un Renault et après Renault Las Vegas, peut-être. Ouais, je pense que ça peut se trouver, ouais. Ah, j'ai Renault, ouais, pièce automobile. C'est ça. Go pour Ok, Renault. man. T'es prêt? Allez, go. 1, 2, Ah, je suis 3. prête. Ah mince, j'ai appuyé sur celle en dessous. Il est Bon temps d'aller bah, travailler. je sais pas où ça m'emmène, là celui-là. là, mais c'est pas possible. C'est quoi ce gars? Eh ben abandonne vite et essaye de reprendre vite. Ouais, je vais faire ça, ouais. On se retrouve au chargement. Allons chercher la remorque à Butters. Merde. Recherche d'un nouvel Pardon. itinéraire. Commence Michel, il dit des gros mots. C'est pas bien. C'est pas bien. Les gros mots, c'est mal. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. C'est pas très très bien tout ça. Alors, je suis un peu nul en horaire. 1h44 PM. C'est l'après-midi, c'est ça? L'après-midi. Pourquoi? Moi j'ai 13h49. Ah bah donc je peux couper mon. J'ai coupé mes feux. J'ai eu la hantise maintenant. Tenez la droite, Non, tournez tu à les allumes droite. dans 4 heures à peu près. Bah je pense pendant la livraison, il faudra l'allumer. Ah merde, j'ai pas vu, le feu il était vert Tournez en à fait quand droite. je tourne à gauche, faut que Putain, je garde les feux je vais devoir ouverts. sortir de dehors. C'est chiant ça. Pourquoi? Bah je vais devoir. Il faut que je sorte racheter une manette. Ah! Je m'aperçois que c'est de plus en plus chiant en fait. Ah bah ouais, tu m'étonnes.
Bah comme ça contrôle la caméra a tendance à bouger tout le temps. Ouais, mais ça fait. Pour pas cher maintenant. Ça fait des années que je joue avec une manette Xbox. Je serais perdu. Très perdu avec carré, croix, C'est fou, triangle. je ne serai jamais perdu. Et ça fait des années que je joue avec une manette Xbox. Je ne sais même pas, je ne sais toujours pas c'est quoi LT et RT. Donc, ou LT et LT. Non, moi Donc, j'ai toujours les LB, boutons sur les boutons. LT. Tenez la droite. J'avoue que j'ai toujours un petit doute bouton d'inverser les. Mais ça, c'est à cause de la Super Nintendo. Ah Ce non, petit doute. dans Super Nintendo c'était juste L et R. Et pour Ah, mais moi. je te parle des boutons X, Y. J'ai toujours Ah un petit ouais. doute. Et pour moi, Je vais pour faire moi une dans ma pause et on tête, va réfléchir. c'est. Je vais un peu trop t'attendre. C'est Tournez à droite. la base quoi. R1, L1. Mais tiens, s'il est à droite, il va arriver là. Ouais. Regarde, il va sortir là. Tournez à Ah ouais, droite. moi je suis passé au feu. Normalement, tu dois avoir le bon feu. C'est bon. Je viens de passer vert. Parce que je suis passé à l'orange. Voilà, ça me rappelle des souvenirs, ces feux rouges en Tu bas. tenez la tu gauche, reclignotes. tournez à gauche. Bah, j'allais dire la même chose parce que je te vois au fond clignoter aussi dans mon rétro. Tournez à Ouais, mais gauche. dès qu'on va prendre la remorque, ça le fera plus. T'avances? Attends, Jackie. Et allez, j'ai failli passer au rouge. La faute à qui? Le mec c'est vert, il attend une heure. Ça venait d'être mis, monsieur. Calmez-vous. Tenez la droite et Calme-toi. tournez à Qu'est-ce droite. qu'il veut, Jackie? Jackie, je vais descendre dans mon camion là, prendre la remorque. Je vais l'atteler, tu vois. Je te mets un taquet. Fais Tournez à gaffe. droite. Respecte-toi. J'aimerais bien voir ça. Ça y est, le mec il est vénère parce qu'il a découvert qu'il y avait des gens dans son entreprise et. Tournez à droite. Il y a des squatteurs dans mon entreprise. Nous y sommes. Ah bah 5 voilà, secondes. Ça se termine tu jamais. clignotes plus. Jamais ça se termine, ces trucs. Regarde, il va venir me faire chier avec son ghost mode. Comme ça, je vois plus rien. Tu vois, le mec, il fait chier. Il a fait exprès. Pour faire chier. Il aime Allons-y. bien emmerder le Jackie. Non, t'es pas dedans là. Mais je sais, attendez. T'as vu, j'ai mis de la. J'ai changé la couleur Ah bah de. voilà, maintenant je me bouffe une remorque. Comment je vois, moi? Bah ça y est, t'es Bah dedans. j'ai réussi. Bah Oui, oui, je suis si tu pas te allé bouffes assez la loin. remorque, c'est t'es dedans. Non, mais c'est ta remorque à toi que je voyais. Parce que comme t'as On avancé. a les deux mêmes. Bah justement, j'avais le marron dans le marron. Tournez à gauche. T'as vu, Alors. j'ai changé la couleur de mon Ouais, je camion. vois ça. T'as mis bleu et vert. J'ai mis des Le mec qui flammes. insulte. Ouais, j'ai vu que t'avais mis les flammes. Non, moi j'ai dit que j'attendais un peu. Ah si, je dois mettre Tournez les à flammes, j'avais gauche. dit pour le deuxième camion peut-être. Donc il faut que je crois qu'il faut compter 20 000. 23 000 je crois pour ça. Sais pas. Il me semble. Et c'est lui qui critiquait mes couleurs la dernière fois. Non mais Ouais, je rappelle. violet c'est dégueulasse. Faut que j'ai le volant sorti. Allez vite, passe Merde. pas. Voilà. Tenez la droite, puis tournez à droite. Eh ben on est Ah, parti. je me suis pas pris le feu. Allez, on est parti, direction Tournez Renault. à droite. Attention, si tu roules trop vite, tu vas rentrer dans la remorque à moteur. Michel, il a dit d'aller faire un effort aujourd'hui. Il a dit il buvait pas avant de partir. C'est là-bas que mon entreprise elle était à Renault avant. Ah, dans ta Tenez la première gauche, partie? puis tournez à Ouais. gauche. Celle que t'as perdue? Ouais. T'aurais pu faire comme tout le monde et choisir Tournez Vegas, à hein. gauche. Non, parce que je voulais pas prendre les trucs connus et tout ça. Et je voulais prendre Renault parce que ça me fait penser au film Vampire.
Avec le cure. Avec le padré. Ouais, et bon. Et ils avaient leur point d'origine en fait, leur truc à Renault. Et quand j'ai vu Renault, j'ai dit ah bah ouais, Renault, ça, c'est vrai. Ouais, ils ont leur camp de base. Bah le truc de l'église, je sais pas trop quoi, il est là-bas, il est à Renault. Ah, j'ai pas vu, j'ai un tour. Merde, on peut tourner. Je pense pas que c'est un toit ouvrant, je pense que c'est une verrière. Bah, tu te calmes, si moi je veux l'option. Non, je l'ai payé, j'ai le droit de l'avoir. Ok. Non mais oh. Le mec il décide pour. Tu sais, hey, tu sais ce que j'ai vu? J'ai vu qu'on pouvait ouvrir les fenêtres. Mais je sais pas. C'est quel le bouton, je sais même pas c'est quoi le bouton. Faudrait que je regarde dans les. Ouais, j'avais dit qu'il fallait que je regarde pour me la péter. Tenez la gauche. J'avais vu ça. N'oublie aussi. Pas de changer de voie, hein. Bah oui, tant qu'à faire. N'oublie pas de changer de butter aussi. Parce que n'oublie pas que ça sort et on ne sort pas. Oh là là, je vais freiner. J'ai ralenti hein, dans le virage. J'ai vu un panneau 40. Je me suis dit, s'ils mettent 40, c'est que. Me connaît. Bah, tu peux rouler. Mais dans le virage, s'ils ont mis 40, c'est que il y avait une bonne raison. Ah, bah, t'es là, toi. Ah, bah oui. Ah, bah oui. Non, mais je vois le truc. Ah, oui, t'as vu comment ça tourne le truc. Il y a un camion derrière toi. Il y a un coupin qui. Tenez la gauche. Il y a un coupin qui va te doubler. Mais oui, il faut respecter les. Ah merde, faut. Faut changer. T'entends pas, si, si, il m'a dit EO. Mais. Non, mais toi, il t'entend pas, lui. Non. Et j'ai pas l'impression qu'il roule à 55. Non, je t'ai dit, normalement, sur les grandes routes, tu peux dépasser. Je roulais à 65 il y a 2 secondes. Ouais, mais c'est écrit 55. Merde, fais gaffe, il y a encore un copain. Le psychoactif. Je sais pas, moi. Il va arriver. Non mais il se rapproche de toi petit à petit parce qu'il roule vite aussi. C'est pour ça que je te l'annonce. Tu vois, je suis sympa, ça sert à ça aussi la CB. Ah oui, non. Du volant. Non mais s'il me rentre dedans après c'est son problème, je suis désolé. Oui, non mais ça oui. Non mais c'est toujours bien d'anticiper des fois. Mais je respecte mon cul. Tiens, aujourd'hui le GPS a l'air de bien marcher. Je me suis remis sur la voie de droite, ouais, comme là, il m'a dit. Crachoutait. Ah putain, mais il casse les couilles le GPS. Il me dit de me mettre pas. Bah, d'habitude, tu sais, quand on roule, il faut rester sur la voie de droite. Ouais. Et il me dit de me mettre sur la voie de droite et après il me dit de me mettre sur la voie de gauche parce que faut pas que je prenne la sortie. Laisse-moi sur la voie du milieu. C'est bon normalement. C'est quoi déjà 400, 500 miles? Je sais pas. Je crois que c'était ça, normalement on doit tenir largement. Bon, j'ai tendance à respecter un peu ce qui me dit le GPS, mais bon. Ils ont dit tenir la gauche, donc c'est bon, quand t'es passé là, tu devais te mettre à gauche, c'est logique. Il y a une sortie. Non, c'est pas une sortie ça. Non, mais où t'es passé avant? De toute façon, je me mets toujours sur celle du milieu, ça permet aux gens de s'insérer plus facilement. Bah généralement je respecte, je me mets à droite. Ah. Quand il y a 3 voies, t'as le droit de rester au milieu. Je crois qu'il y a un camion garé. Ah non, il avance. Ah non, mais parce que il y a un mec qui m'a doublé, mais il y avait un point devant nous. Et j'ai l'impression qu'on l'a rattrapé alors que... Il y a des panneaux qui clignotent. Bah moi je te rattrape en tout cas. Ah bah moi j'ai mis 55. Sur le GPS. J'ai mis 55 et je bouge pas en fait. Ah tu vois gars, il y a un camion qui roule doucement. Ça m'étonne pas. Ça va tourner à gauche là, je le sens pas le truc du GPS là. En tout cas ça va être un changement de voie j'imagine. Non non, on est toujours sur une voie unique et qui fait des serpentins. Ouais non, c'était un effet du GPS au loin. Ah oui, c'est parce qu'il y avait le... c'est moi. C'est le panneau de la route 5 en fait, comme le haut est rouge, ça donnait un effet bizarre. Tenez au la loin. Gauche. Par contre, j'arrive pas à lire ce qu'il y a sur les panneaux. Bientôt tu pourras. Enfin, bientôt ils seront mieux faits. Bah c'est pas la question qu'ils sont mieux faits, c'est que... Et t'as vu, j'ai vu dans le truc de la mise à jour 1.40 qui va arriver,
que tes phares maintenant quand tu vas illuminer les panneaux plus les panneaux bleus là, au loin tu verras leur écriture en fait. C'est comme s'ils avaient une bande réfléchissante. Bah moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on voie les phares dans les réseaux. Ça, ce serait une bonne idée. Si, je pense que tu peux, mais je crois que c'est un réglage de rétro à faire hein, dans le jeu. Pense. Ouais. Je peux pas en avoir vu et j'y ai pas touché, donc. Tenez la droite, Mais je te Ah, laisse avec tournez à la. droite. On va sortir. Ouais, on va s'en sortir. On Tournez tourne. à droite. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Il est là, mon Jackie. Moi, C'est j'arrive. après que À combien de distance? ça va partir en sucette. Pourquoi? Parce que je sens que il y a toujours un moment où donné, soit toi, soit moi, on rentre dans quelqu'un ou dans quelque chose. C'est faux. Ça n'a pas été toujours le cas. Ouais, Mais monsieur, toi, t'es. monsieur, je me mets en marche arrière, puis j'accélère, puis je me tape la barrière de devant. Après, il y a eu quoi? Il y a eu. On prend un virage pour aller à la pompe à essence, on se prend un beat. Ouais, ça c'est une On mauvaise gestion. tape dans Jackie quand il est au feu rouge. C'est des accidents. Oui, bah voilà, bah, je te dis qu'au bout d'un moment, il y a un de nous deux qui va faire un accident. Soit on va se prendre une barrière, soit on va se prendre Ouais. quelqu'un. Alors moi je pars sur une course franchement qui se passe super bien, au moins pour celle-là. Ah oui, non, mais c'est. La dernière fois aussi, hein, ça se passait bien au début, puis après. On était confiants et puis voilà. Ouais, mais c'était parce que t'étais trop confiant. Attention, j'arrive à pleine balle. Ben, je suis à 55, je bouge pas. Moi, je reste à 55. Préviens si tu dois freiner ou autre. Quoique je devrais peut-être te laisser un peu plus de sécurité. Voilà, comme ça me paraît un peu mieux. Tant que je reprenne mon 55. Faut faire gaffe, souvent ici il y a des lapins, je pile net pour pas les écraser. Bah, je sais que tu es du genre à freiner sec, toi, alors. C'est pour Donc, ça. c'est faux! Règle numéro 1, messieurs, dames, en voiture. Quand il y a un animal, enfin, sauf si c'est une biche ou un truc, mais si c'est un lapin ou n'importe quel animal petit, ne cherchez pas à éviter l'animal, rouler, foncer dessus, enfin. Droit, Foncez pas, mais n'évitez tuer pas un être vivant. l'animal. Tuer un être vivant, vous inquiétez pas. Non, mais tu sais qu'il y a pas, il y a de plus en plus de personnes qui ont des accidents très graves même parce qu'ils ont évité un lapin sur la route. Alors que s'ils l'auraient pas évité, ils n'auraient pas eu cet accident. Genre la personne, elle voit un lapin au dernier moment sur la route, elle fait une embardée pour. Dépend de la taille du lapin. Pour essayer d'esquiver le lapin, et souvent ils se prennent des arbres, des machins, et ils sont blessés graves, hein. Paralysie. T'imagines te retrouver en fauteuil roulant et qu'on te demande qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai voulu éviter un lapin sur la route. Moi, ça m'arrive en vrai, ça m'arriverait en vrai. On veut à tous les lapins de la terre. Non, mais tu passes pour un con après, je suis désolé. Quoi, t'es pas obligé de le dire, tu dis il y avait un chevreuil Ah, énorme. La pesée, mais pas pour moi. Ah, moi, ouais. C'est la lumière, elle est rouge en haut à droite? Ouais, Ah bah non, ouais. moi elle est verte. Ouais, ça va, c'est là. Faire un petit détour. Même pas, c'est sur la route. Réorientation. Oui, non, mais c'est un petit détour quand même, quoi. Je t'attends.
Tu me dis quand il y est, quand tu repars. C'est bon. C'est bon. Parti. Ah, y a déjà quelqu'un sur le côté. Ouais, il est garé. J'appelle pas ça être garé, moi. Il aurait pu mettre ses. C'est vrai qu'il aurait pu mettre ses feux de détresse, mais bon. Ouais, enfin, c'est warning. Moi, je préfère dire warning parce que feux de détresse. Excuse-moi, tu t'arrêtes pas là. C'est pas parce que tu mets tes warnings que t'es en détresse, mais bon. Pour moi, tu te mettais sur le côté à droite, t'as une aire exprès. Ouais, non, mais il sortait de la pesée. Il sortait de la pesée. Chacun ses problèmes. Tu fais une marche arrière, tu te démerdes. T'as voulu t'arrêter là. Limite, autant te caler sur le côté de l'autoroute, tu gêneras moins. J'hésitais à m'arrêter, mais je suis un peu plus. J'ai un peu plus de la moitié, donc je me suis dit. J'ai encore le temps. Ouais, j'ai encore le temps. Bah, il reste 360 miles à faire. Ouais, tu vois, on en a encore techniquement pour à peu près 7 heures. Bon, t'enlèves toujours un peu de temps, donc disons peut-être 5-6 heures. Parce que là, on a réduit un peu notre vitesse, donc il faut que ça recalcule. Ça fait quoi? Les 15 heures, ça fait 22 heures, ouais, on aura besoin des phares. Surtout qu'on est assez constant, hein, généralement 55 tout le temps, donc. Ouais, là je respecte quand je suis avec toi. Je trace quand je suis tout seul. Ouais, bah ouais. Bah non, moi j'ai tendance à respecter en fait. Enfin, ça dépend. Finalement, je suis pas revenu sur le jeu cette semaine. Tiens. Bon, ah bah moi si, j'étais dans le Nevada, fallait que je revienne jusqu'à Los Angeles. Non mais parce que j'aurais pu passer faire une course ou deux. Mais... Je sais plus c'est quand la dernière fois que j'ai changé mes trompettes aussi. Ah. J'en ai profité. T'es devenu trompettiste. Vu que j'ai changé la couleur de ma carrosserie. Ouais, c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure si je prenais le camion, parce que la remorque, parce que j'aurais bien prise, mais il fallait que je retourne jusqu'à Salem et que je revienne. Et je me suis dit, hier soir, je me suis posé la question, mais. Bah, le truc, c'est qu'après, c'est par rapport aux missions, quoi. Bah, je ferai que des missions de frigo. Ouais, mais il faut que tu aies des missions de frigo qui aillent là où on veut aller. C'est ça! Après tu serais obligé de te baser sur moi en fait. En disant On n'aura pas le choix, ouais, par exemple je t'aurais dit je peux pas aller jusqu'à Las Vegas parce que j'ai pas, mais j'ai un truc genre Reno ou Fresno ou un truc comme ça, et t'aurais dit vas-y j'essaie d'en trouver un et je serais venu. Ça nous aurait limité les Allez options. Tout droit. Là c'est vrai qu'on peut, quand on est comme ça en mode un truc qui m'est libre. Ouais, mais avoir les mêmes missions, mais c'est parce que quand tu prends il paraît que quand tu prends ta propre carga, enfin ton propre ta propre remorque en frigo, c'est les meilleurs tarots pour avoir les. Ouais, après c'est question de thune, quoi. Ouais, c'est là où tu chopes le meilleur en fait. Les gens ils disent tu prends du frigo. Mais après, après c'est logique parce que si t'as des accidents t'abîmes la remorque, c'est toi qui paye. Je pense que c'est lié à ça. Oui, mais tu oui, complètement. Le petit pourcentage de dégâts et tout, déjà tu les as sur les camions. Donc je pense que ça te rajoute en plus sur la SMI si tu cumules dans le temps, forcément. Après c'est. Et puis comme tu utilises ta propre remorque, tu. Imagine t'aurais eu ta remorque la dernière fois. Ça t'aurait coûté beaucoup plus cher. En répa. Quand je me suis retourné. Ouais. Enfin quand tu m'as retourné. Bah non, parce que je pense que si j'aurais eu ma propre remorque, t'aurais pas pu me retourner. Quoique elle était vide, mais t'aurais pas pu me retourner les deux. Non, je pense que tu m'aurais fait peut-être voler ma remorque. Mais comment t'as volé Oui, parce que j'étais juste mon camion en fait. J'avais pas de remorque. Bah, je t'ai pas raconté que c'est quand. Pas le lendemain, deux jours après, je me suis refait la vidéo à midi, j'ai repleuré de rire. J'ai fait le saligo, je suis passé dessus, j'avais 5 minutes à tuer, je me suis dit qu'est-ce que je fais. Tiens, je vais aller dans les replays ATS
que j'ai de côté, et j'ai choisi celle-ci, forcément. J'ai avancé de quelques minutes et là j'ai tapé une barre. Ah, j'ai fait profiter un peu tout le monde en plus. Tant qu'à faire. Tiens, je fais vite. J'ai presque envie de couper cette minute et la mettre sur les réseaux sociaux. Ah bah c'est le. C'est. Ouais, il faut clipper quoi. Ouais. J'avoue que ça me prendrait pas longtemps à le faire. Et... Ça va, malgré qu'on n'était pas beaucoup, on était à peu près 220, je crois, et on croise du monde sur la route. Ouais. Alors moi il y a 2 minutes en arrière là, à un moment on a passé un pont. Putain, j'ai revu des. J'ai revu des vidéos hier de. D'accident sur ETS2. Bah, j'attends toujours tes liens justement. Bah en fait j'avais pas trouvé sur le truc off-road. C'était juste un mec qui il lui arrivait quelque chose. Sur le truc de. Sur l'event. Je croyais que c'était tous les crashs de l'event, mais en fait non. Et. Ça valait pas le coup, donc je te l'ai pas envoyé. Mais. Je sais pas, sur les accidents que j'ai vus sur ETS, j'ai l'impression qu'il y a trop de monde sur ETS en fait, c'est pour ça. Il y a des camions partout, les mecs qui se suivent, t'as des voitures qui coupent comme je sais pas quoi, t'as les mecs qui t'arrivent en face, qui te rentrent dedans, ou qui se couchent et tout ça dans les virages. Ça a l'air d'être un bordel en fait. Ah bah je sais qu'il y a certains endroits, c'est des coupe-gorge. Ouais. Mais mais quand j'ai vu dans les trucs de mise à jour et que j'ai vu que il y aurait possibilité que... ATS et ETS ils mettent leur multiplayer comment on appelle ça fusionné de toute façon on pourrait même pas se rencontrer, on est même pas sur le même continent, mais oui. C'est pour ça que ça m'étonnait. Le multiplayer officiel, oui. Je me demande si. Bon, ça peut-être foutre un peu de bordel, mais je me demande s'ils rajouteraient des PNJ en fait en véhicule. J'avoue que c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, ouais, vu qu'ils parlent du truc multi-officiel, je me suis demandé est-ce qu'il y aura le trafic et des trucs comme ça, parce que justement ça peut devenir un beau bordel. Bon, je tourne. Ouais, j'ai vu. Mais s'ils mettent du trafic. Pardon, s'ils mettent du trafic, est-ce qu'ils vont sacrifier de la place? J'avoue que je sais pas, parce que autant quand t'es 200 comme là, c'est assez pépère généralement, mais c'est vrai que des fois, moi je joue, il y a 500, 700 personnes, des camions à certains endroits, t'en croises par palette quoi. Oui, mais encore. Ça devient un petit bordel, alors si t'imagines, si t'as le trafic et tout des fois. Et encore, non mais je me dis que quand il y a du monde, c'est cool. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de voiture en fait. Et faire du multi avec du trafic, bah ça peut vite être le bordel quoi. Bah ouais, non mais c'est déjà, t'as, non mais parce que t'as des jeux. Là, les mecs ils respectent encore assez ce qu'on a croisé et tout ça, c'était assez cool. Mais imagine, je sais pas. En même temps, gérer le trafic routier avec des mecs qui rouleraient un peu n'importe comment, ça peut être. Bah, l'IA, la terre est bonne parce que sur le solo, des fois, il y a facilement des accidents. Bah, là, ils ont dit qu'ils voulaient. J'ai vu dans la même vidéo qu'ils voulaient retravailler le. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Tu vois qu'il y a des. Ouais. Bon, lui, il s'est empalé. Bah, ouais. Non, mais. Comment dire ils avaient dit qu'ils voulaient retravailler le trafic. L'IA trafic, donc ouais. Ça pourrait être pas mal. Cool, ouais. Bah j'espère. Ouais. Oh, excuse-moi, j'arrête pas de bailler depuis tout à l'heure, ça me. Bah j'entends ça. Ouais. C'est lui qui va te causer un accident, ouais, il s'endort au volant. Non mais le mec, il s'est empalé dans le mur. Tu sais que en vrai, je me suis déjà endormi au volant. Ça m'étonne pas. J'ai commencé à mon, tu sais, à faire des coups de tête.
Et à un moment donné, je me suis endormi, je pense une fraction de seconde. Peut-être moins. Enfin, peut-être un peu plus, mais... Mais avec la... Comment on appelle ça? Déjà, il conduit même pas sur la même voie. La... je sais pas, j'ai dû avoir une... Allez tout droit. Comment on appelle ça? Sorte de souvenir musculaire qui a fait T'es rappelé que t'étais au volant? bah en fait qui m'a ouais qui a retenu un peu la voiture quoi, mais je me suis repris et je me suis dit oh Allez putain tout non non droit. faut pas que je m'endorme maintenant. Et somnolé, voilà. Ah, J'avais somnolé. somnolé. Et la mémoire musculaire, voilà. Parce que j'ai déjà fait du travail de mémoire musculaire en fait. Un coup, je me suis perdu dans mes pensées. J'étais en train de penser à des trucs. Et c'est mon corps comme je prenais souvent la même route, qui a comblé, quoi. Et quand je suis revenu à moi, je me suis dit, ah putain, on est déjà là. Oh, le mec, montez pas avec Bunkers dans la voiture. Attention, écoutez bien ce qu'il dit. En gros, S'il vous invite à monter dans sa voiture, dites non. Surtout s'il se met à bâiller comme maintenant. je pense que pendant que j'étais parti dans mes pensées, mes yeux, mon cerveau a pris mes yeux en fait et Ouais, c'est la conscience qui a pris le dessus. la mémoire musculaire en fait, ouais c'est ça. C'est le moins de vous dire, vous êtes chelou, monsieur. Non, je tenais à vous le dire. Voilà, Sacramento? c'est fait. Ouais, c'est ça. Ouais, welcome to Sacramento. Tu vois, les gros panneaux, j'arrive à les lire. Le gros panneau qui est à droite, ouais. Là, ouais, y a pas de souci. Non, mais même en haut, ça va, tu vois. Il y avait Reading Truche, là, je sais pas quoi. Bah, Reading? Ouais, mais je suis pas sûr d'avoir lu. Je crois que c'était écrit Truche. Merde, j'aurais pu le regarder là, j'ai Allez pas fait tout gaffe. droit. Mais Truche, ça me paraît bizarre comme Bah, là, nom, c'est en fait. Sacramento. Ouais, non, les tuches, non. Non, Truche. Truche? Non. Je crois, j'ai lu Truche. Pas du Tucson? tout ça. Peut-être. Ouais, Tucson, ça pourrait passer, mais je pense pas. Bah, là, il y a Ça un sent panneau pas qui. ça. Normalement. Là, il y avait Reading, j'ai pas vu. Est-ce qu'il y avait au-dessus? Ils ont Bah, inversé. j'ai vu En haut, ouais, c'est Sacramento. Reading. Et je crois que c'est à droite, c'était Reading, non? Ouais. Non, il était à C'est gauche. Bé. Ah, Il bah, est à merde. droite. North Tournez à Reading. droite. Ah, on doit tourner de toute façon. Bah, c'est pas Truche, c'est Renault. Non? Tournez à droite. Non, il y C'est avait Reading Renault! tout à l'heure. C'est Non, écrit tout à l'heure, il y en Renault. avait un autre. Tenez la droite. Pour mieux voir, je me suis levé. Oh là là. De ma chaise. Monsieur. J'ai l'impression que mon écran est un peu haut par rapport à moi en fait. Parce Je que respecte, madame. j'ai pas mon écran qui est juste posé devant moi en fait. Il est devant moi, mais il est sur un. On va dire sur une sorte de petite étagère, tu sais. Ça fait que j'ai ma vue est sur le milieu de l'écran. Donc des fois quand il y a des trucs en haut, soit je lève la tête, soit il faut que je me lève parce que c'est un peu sombre. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, t'as un effet d'écran, quoi. Ouais, c'est ça. Un petit effet sombre en haut. Je sais plus comment on appelle ça, mais. Bon, un effet sombre, hein. On va pas se faire chier. Ah, le coin que j'aime un peu de verdure. J'aime pas la verdure. Bah vivement qu'on conduise en Oregon. Ouais. Bah, peut-être notre prochaine course, qui sait? Ah? La semaine C'est prochaine, tu possible. veux déjà. Ah bah non, je t'ai dit que je serais pas là justement la Ah, semaine c'est prochaine. vrai. Là, on va se retrouver avec un petit break. Malheureusement, après combien de temps, je ne sais pas. Je pourrais te le dire que la semaine prochaine. Je t'ai dit, la semaine prochaine, j'étais pas là et Bah si c'est les vacances, c'est justement. quoi? C'est 2 semaines? Non, les vacances, justement, c'est Ah oui, c'est le normalement. 13. C'est pas ça? Non. Non, c'est le 20. Toi, c'est le Bah, c'est 20. comme vous, en fait. Bah, comme vous. Je suis pas à Paris, c'est le 13, je crois. Ouais, je crois que c'est ça cette semaine. C'est cette semaine le 13, monsieur, c'est pour ça. Non, moi je t'ai dit, je suis en rendez-vous.
pas être dans le coin. Ah, c'est pour ça. On voit que là, soit attend, soit... Et puis après... Quand jeudi je Non, bah déjà sur lundi, mardi, jeudi, je ne sais pas si jeudi je serai dans le coin. C'est pour ça que pour l'instant, bah, j'attends de voir et je te tiens pour ça. Sinon, on décale à vendredi, après c'est pas grave, comme la dernière fois. Bah, le vendredi, c'est pas mal, le problème, c'est que le vendredi, je serai peut-être pas là. Non. Ah, aussi, d'accord, ouais. Ouais, donc la semaine. Donc, ouais, non, mais je comprends que la semaine prochaine. Ouais, mais c'est pas grave. Ce sera pour la semaine d'après. Bah, non, je serai pas là non plus. Non plus, d'accord. Si je suis pas là la semaine prochaine, c'est possible que je sois pas là pendant au moins 3 semaines, je pense. Après, ça tombe pendant les vacances, donc c'est pas trop grave. Ouais, c'est pas grave. C'est donc ça m'arrange, hein. Je préfère que ça tombe maintenant que. Après, je sais pas comment ça va se goupiller parce que. Comment dire. Faut que j'incorpore la kiné et tout. Parmi tout ça, que les horaires se tombaient à peu près en même temps, ça va être un petit bordel pour moi. Quoi. Wow. Ouais, non, c'est pas grave, ça fera un peu de repos. Et après, bah, quand ce sera à la rentrée, c'est possible que je sois absent, mais peut-être un peu moins. Peut-être que ce sera une ou deux fois dans la semaine, donc avec de la chance, je pourrais goupiller au moins une reprise ensemble. Peut-être que moi, si j'ai de la chance, je pourrais peut-être petit après-midi pour un let's play où j'aurais besoin pour la rentrée quoi, si j'ai besoin pour un épisode. Par contre le truc que j'ai dans ATS, le truc que... Ah c'est Trucky. Ah voilà, tu vois, c'est Trucky. C'est ça, tu vois, bah j'étais pas loin, Truc. le truc que je trouve un peu dommage dans ATS, c'est que quand j'ai pris une remorque, bah pour mettre un beau dessin dessus, tu sais, il y avait pas forcément de trucs bien. Alors pour suivre avec la fin de couleur de mon camion, bah j'ai mis noir. Ah non, c'est noir la fin. Ouais, c'est noir. Ça part sur le noir, donc après c'est tout noir. Ouais, ça fait raccord. Ouais, mais bon. Ça fait un mélange. J'aurais voulu un truc qui, tu sais, qui fasse Sinon je peux mettre, hein, je peux. J'ai des dessins, comment dire. J'avais acheté, comme je te dis, j'avais acheté une peinture pour soutenir le truc du sida. Et oui. Donc j'ai deux peintures pour mon camion et deux peintures pareilles pour la remorque. J'ai accéléré, hein, vu que c'est 60. C'est 80, mon gars. C'est 80? Mais oui. C'est pas 60. Ouais, mais là, c'est revenu 65. Ah bah, c'est possible, souvent, ça descend. Donc, je suis à 60. Putain, c'est con, j'aurais pu me taper un petit 70, 75. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Bah j'ai à peine vu, je suis à peine arrivé à 60 que ça passait à 65. Pour ça je te dis, j'ai pas fait vraiment gaffe, j'ai vu un truc, j'ai cru que c'était 60, j'ai dit bah je vais aller à 60. Puis en fait bah c'était 80. Je sors, je vais mettre du coco. Je vais en profiter, hein, je me dis ouais, on sait jamais. J'ai envie de te dire, je vais faire la même. Tant qu'à faire, j'ai utilisé un tiers, un quart, je dirais. Que je t'avoue, autant en profiter. Hop, en plus il y a une double pompe, donc ça m'arrange grandement. Mmh.
je pense qu'il y a moyen de se mettre un. Pourquoi il klaxonne, Jackie? C'est pour te faire coucou. Ouais, j'avais raison, tu vois, j'ai un bon 326 litres. Ah ouais, je vois mieux. Ah ouais, d'accord, il y a des flammes. Oui, parce qu'il y a le bleu aussi qui reprend, mais en fait, il y a du noir autour. Ok, je vois le délire. J'ai fini, donc tu me dis quand t'es bon. Ouais, j'ai fini aussi. Arrêtez de piquer ma thune. Ah bah faut. Je te laisse passer. Merci, faut payer, hein. Chez moi, c'est gratuit l'essence. Par contre, si j'oublie de remettre, hop, clignotant inversé, j'avais laissé mon clignotant. Peut-être un jour, ils vont mettre les camions électriques. Ça se pourrait, ouais. Bah, je me disais, tiens, en parlant de ça, d'électrique, je regardais, il y avait eu. Bundle Train Simulator, tu sais. Ouais. Je m'étais dit, ouais, ça serait cool à essayer un jour. Après, je sais plus ce que ça vaut, Train Simulator, surtout que c'est celui de 2021. Donc, c'est pas dégueu. Renault, c'est à droite. Pourquoi? Non, on va tout droit. Non, moi, tout droit. Station ici. Non, parce que le panneau, il était carrément à droite, alors je comprenais pas. Carson City. Pas logique, là. Ouais. Et je suis à 60. Ouais, ce que je trouvais dommage, c'est qu'ils mettaient beaucoup de locomotives. Ah oui. Bah, surtout diesel, puis un peu d'électrique, tu sais. Mais moi, j'aime bien les vieilles locomotives vapeur, tout ça, un truc un peu old school. Ah, ah ben il y a un jeu qui, alors tu ne conduis pas ton, enfin je pense pas que tu conduis ton train, mais tu dois. Rail Empire. Je crois que c'est ça, ouais. Tu dois te faire un réseau ferroviaire. Bah, il faut que j'essaye un de ces quatre parce que, comment dire ça, on l'a eu sur l'Epic. Alors là. Sur l'Epic Store, il le donnait. Alors je sais pas si toi tu l'as pris, moi je l'ai pris cash. M'en souviens après, même. Après, j'imagine que le problème quand il le donne, c'est que c'est pour te refourguer plein de DLC à côté payant. Ah, je vois le point de ma livraison. Ouais, moi aussi. On va sortir dans pas longtemps. Ouais, je me disais que un de ces quatre faudrait que je teste. Alors, je sais pas si je le ferai sur la chaîne pour tester comme ça parce que je n'en ai jamais joué. Vu que j'ai tout de gestion, je me dis. J'aime bien. Tenez ça, la droite, ça donne un peu vous des sortez à droite. Différents. Et aussi. On sort. C'est un jeu que j'ai envie de tester. Sortez à droite. Je freine, je m'arrête. Tournez à droite. Enfin, j'ai pas freiné, enfin je me suis pas arrêté, j'ai ralenti seulement. Bon, s'il y a pas de camion qui arrive, si t'es pas en solo. Ouais, bah oui. On peut passer s'il y a personne. À droite. Oh, j'ai pris un peu sec. Ah, t'as tenté ta chance? Ouais, je l'ai fait, je me suis arrêté au feu rouge et j'ai tourné. Tout en mettant mon clignotant. Maintenant, je fais ça. Comme ça, au moins, je suis sûr. Oh. J'ai failli. Non, attends. La route, elle est comment ici? J'ai raté un truc. C'est parce que mon... Si, la route, elle est là. Oh putain, j'ai badé, en fait. Comment j'ai joué ça, moi? Ça m'a perturbé, de côté. À droite. J'ai cru que c'était la route. En fait, j'ai cru que c'était une double voie. Mais pas du tout! Ah, j'ai failli carrément me rater. Tain, heureusement que j'ai freiné parce qu'en fait j'allais me prendre le feu. C'est ça le pire. Je t'ai attendu au feu donc j'étais au vert, j'ai attendu que ce soit au. C'est gentil. Ah non, mais là en plus j'ai juste à temps, hein, j'ai remarqué. Heureusement. Et c'est parti! Pourquoi bien ralentir? Bah oui, bien ralentir en camion ça sert, oui. T'allais me sortir une évidence en mode, hey, j'ai trouvé un truc mon gars, attention. Hein. Comme quoi des fois, si tu ralentis, ça freine. Non, mais pas dans ce sens là. Parce que des fois tu te dis, ouais, tu t'en fous que le feu il est rouge. Ouais, c'est vrai. Parce que tu tournes à droite, donc tu peux y aller un peu plus franco. Tourner à droite
puis tourner à gauche. Le fait des fois bah, d'anticiper, ah, te dire, bah, tourner à droite, jouer la simu et te dire et tourner à gauche. Tourner à gauche. Et en fait, comment dire ça, te dire bah ouais, en vrai, vous êtes arrivé. Anticipe le côté simu. Oh, on va s'amuser. Attends. Et ben ça permet de mieux prendre les virages. Avance mon con. Mais tu décides. Qui ça, moi? Bah j'ai déjà avancé. Bah justement. Avance. Bouchon gros cul. Non c'est bon. Merci, ça passe. Madame. Merde, je me suis pas arrêté. Allez, moi je joue la sécurité. Comme d'hab. Ah au fait tu me disais genre ça donne 10 ou un truc comme ça, c'est pas du tout ça hein. C'est écrit quand tu choisis, c'est quoi alors? Le celui que je fais c'est 90 XP et le celui que tu fais c'est 15 XP je crois. Ah oui, non mais ça dépend. Donc il y a quand même une. Il y a quand même une différence. Oui, quand il y a le 90 quand tu fais la suprême, ouais. Voilà, la suprême. Non mais tu crois quoi? Attends, la suprême, non, c'est juste Suprême NTM, oui. Voilà. Je comprends ce que je veux dire. C'est ouais, le fait de se garer un peu difficilement quoi. Non mais des fois le difficile c'est 45 hein. Ah non, justement, moi c'est toujours 90. Ouais, mais en fait non, ça dépend de la zone où t'es. Ça dépend du point de livraison. Je me suis fait un petit 17 000 quoi. 17 000. Ah merde, j'ai... Alors, 17 000 dollars. Ouais, bah j'ai dû faire pareil. Ouais, hein, bah oui, c'est la même mission. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai regardé l'XP, mais pas. Alors hop, je me suis mis prêt à sortir. Alors, Seattle. Non. Newport, donc tout ça, ça me ramène en haut. Tucson. Tacoma, Salem, Phoenix, Nevada, nous. San Francisco, ça, on ouais. On cherche, si on a alors, de la chance, City, un Las Vegas. Carson City, c'est où Carson City par rapport à ça? Ah bah c'est juste en dessous, ouais, c'est pas super rentable. Ah ouais, mais non, moi j'ai mis destinataire, ouais, j'ai laissé sur ça, prix. Alors, Reno, Reca, Sacramento, Eiko. Mais Eiko, c'est au nord, on avait déjà été. Bah ouais, Eiko, c'est au nord. San Francisco, Oakland. Ah non, il n'y a pas. Il n'y a que Carson City et Reno. Alors, moi, c'est ce que j'ai. J'ai pas de Las Vegas. Putain, il n'y a pas moyen d'aller à Las Vegas. Ah si, on peut passer par Las Vegas, on a Phoenix. J'ai pas Phoenix. Regarde dans le 2. Dans le 2 ou dans le 2 ou 3, mais je dirais 2 parce que moi j'ai Eiko. C'est de l'emballage. C'est Reno Phoenix. Pour 13 000. Oui, ouais, non, moi c'est dans le premier. Tu ouais, l'as? C'est de l'emballage pour 13 000. On le prend? Bah vas-y, 800, on va faire une belle trotte. On va passer à côté de... Enfin, moi, ils me disent Las Vegas. Je ouais, pense qu'on va peut-être traverser Las Vegas ou on va contourner, ouais. Non, on le contourne d'après la route. Si tu regardes bien, on ouais. Passe légèrement. En fait, on enroule la boule. C'est ça. C'est bon, on le fait? On prend ça? Bah, ça me paraît... Phoenix, ouais, c'est sympa, Phoenix dans l'Arizona. Ouais. Allez. C'est parti. C'est parti. On fait de l'emballage, ça ramène. Bon, après, pour 800 miles, 13 000, je trouve que ça paye pas... Non, c'est pas beaucoup, hein. 13... J'ai vu 13 000, je me suis dit... Ouais, mais parce que c'est des routes que tu vas tracer. On y va. Peut-être, ouais. J'ai remarqué. Bah, go. Remorquage, je suis pas ici. Hein. Non, c'est chez Ediz. Ouais, on est parti pour un Reno Phoenix. Un 800 miles. Tournez à droite. Hein. Tournez à droite. Ah, tu reclignotes. Tourner à droite. Un petit peu sec là. J'étais parti sur la gauche. Ah bah c'est pas sec. Préparez-vous à tourner. Ouais, à gauche. C'est détendu quoi. Ah. À gauche. Tourner à gauche. Ouais. Par contre, la ligne. Je vois pas la ligne du feu rouge. Bah y a pas vraiment. En fait, faut.
ça va, c'est à côté. Ah bah oui, Renault c'est pas grand. Il faut se méfier en ville parce que si tu vas trop vite. C'est 45. Des amendes, par contre. Non, moi c'est 30, c'est écrit. Ouais, mais non, dans le serveur ils disent c'est 45 en ville. Tenez la droite. Sans déconner, moi j'ai déjà pris. Je t'avais dit, j'ai déjà pris une amende. Hein. Et j'étais pas à 45. Hein. Tournez à droite. Elle est où la remorque? Ah merde, elle était de l'autre côté. Elle est de l'autre côté? Ouais, ouais. C'est chier. Je l'ai vu qu'après. Bon bah je vais faire un petit demi-tour, hein, place Andika Epps. Bah comme ça tu pourras la prendre d'abord. Oh là là! Elle est toute petite! Je les aime pas trop les petites remorques comme ça. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ouais, bon, je préfère quand c'est des longues ou même des doubles. Ouais. Je trouve que, je sais pas, ça fait plus. Soyez prudent. Comment ça donne? Ah oui, d'accord. Oui. Ok, on va se mettre comme ça. Vas-y, je te laisse sortir. T'as vu, même si c'est du ghost mode, on se rentre pas dedans. Ouais, mais je t'ai dit. Ah, moi je t'ai dit, je suis pour le côté ici. Merde, pardon. Attends, qu'est-ce que je fais ici? Je pensais que j'avais pas tourné assez. T'as dit, moi je suis pour toi. Je pense que je vais allumer mes phares parce que. Ouais, je t'ai dit, ça va être maintenant. Il est 6h30, je pense que. Ouais. Merde, qu'est-ce que je fous? Et la couleur de base, elle est pas comme ça hein, de ma peinture. C'est moi qui ai changé le milieu en fait. Normalement, c'est bleu. Bleu, je crois. Oui, tu peux. Et j'ai mis vert. La couleur pour changer, mais ça va pas rester quand je vais avoir quand je serai quoi 16 ou 17, je crois. J'en redébloque, je crois que c'est 16. Oui, je crois qu'à 16 j'en ai une. J'en redébloque deux, mes deux dernières, je crois. Donc, je vais arriver. Puis peut-être avec la 1.4, ils vont rajouter, je crois. La 1.40, pardon, en espérant. T'es ok? Je vais bien sortir, ouais, attends. C'est où la sortie? C'est là? Ouais. Tournez à gauche. J'essaye de me préparer parce que c'est les sorties que j'aime pas, ça. Je déteste ces sorties dégueulasses. Ouais, il faut prévoir. Faut prendre plus large. Faut prévoir plus large. Il y a toujours les petits panneaux là qui touchent. Tenez la gauche, poteaux, puis là. Tournez à gauche. Ah merde! Bon, je me suis mis comme un gros tournez porc, hein, mais. Ouais, c'est pas grave, quand tu démarres, c'est toujours des routes fermées, donc c'est pas trop grave. Ouais, il faut se mettre sur la voie de gauche. Regarde. Ouais, je sais, mais le truc, c'est que de toute façon, je serais bloqué par toi, donc ça revient toujours au même. Tu vois, ça fera forcément dégueulasse, de toute façon, même pour moi. Donc, merde. Pour moi, limite, t'es mieux placé. Ah non, je me mets au milieu aussi. Allez, c'est parti. Parce que sinon, si je me mets pas au milieu, en fait, sinon la remorque, quand tu tournes, elle part dans... Ouais, mais là, notre remorque, elle est toute petite. Ouais, mais justement, comme le truc il est serré, on se serait pris le terre-plein à deux. Le truc en béton, là, ouais. Comme il est large, on aurait touché, sinon, si tu te mets pas légèrement à droite. Bon, on est parti, go Phoenix, on va contourner Vegas. Bah, à défaut d'y aller, on contourne. Ouais, c'est con, on n'a pas trouvé, ouais, petite mission Vegas. Oh putain. J'ai eu de la chance, il n'y avait pas de feu. Bah je vois ça, ouais. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Oh, là, il y a feu. J'ai freiné au feu, je me suis arrêté. Ah non, c'est vert. Comme par hasard. Pour nous, la prochaine. Oui, sinon on était à l'envers. Ah ouais, non, mais c'est pour ça me perturbe des fois. Feu, il est vert, ok. Merde, il passe au rouge. Moi, j'ai pas de bol. Je me suis fait sniquer. Ouais, j'ai hésité. Ah non, mais je me suis fait sniquer. Ah, c'était ça. Ouais. J'ai voulu m'arrêter, je me suis dit, allez, vas-y, on tente. Je m'en fous, pour la peine, je prends un petit dinosaure. Voilà. Il prend des dinosaures. Bah ouais, c'est ceux que je sais pas manger la dernière fois. Putain, faut que j'avance. Vite.
Ah non, j'avance pas vite, hein, je suis à 30. Non mais c'est le feu, il est passé au vert. Ah oui. Si j'avais attendu, je me serais fait carotte, j'aurais dû attendre encore une fois. J'ai pas eu le temps d'ouvrir, j'ai eu le temps de les ramasser seulement. Y'a personne, je m'insère. La boîte. Mais je vais vous en insérer une, monsieur, vous êtes pas encore inséré. Et allez. Fait quoi, on se met à 65 et on trace? Ouais, moi je te dis, ça va être des routes rapides, je pense, ici. C'est possible, on... moment on va toucher, on va tomber sur du 75 donc ah bah je pense qu'on va changer de d'état vu le ratio prix distance sans déconner. Ouais, je pense que on va se taper du c'est de la route rapide, c'est bon. Il y aura peu de, il y aura pas de changement de vitesse. Je suis à 65, je bouge plus. Bah moi aussi, mais je vais essayer de voir si je peux pas dépasser un peu. Là on est en petite montée. Ah, il y a un petit 70, il y a un petit 70, ouais, qui vient de pop. 80, tu veux dire? Non. Ça passe à 70 derrière? Ouais. Bah, t'as pas vu, on est passé sur un 80. Ah bah, j'ai pas fait gaffe, non. Allez, je pousse jusqu'à 70. Ah ouais, 70 derrière. Ouais. Par contre, ma boîte de vitesse, moi, ouais, je remarque, ouais, elle est vraiment faite pour. J'ai l'impression que je stack à 65, moi. Ah bah. Comme ça, mais je sais pas, en fait. Tout pareil. Là, je suis bloqué à 65. Ouais. C'est parce que comme je t'avais dit, j'ai mis la boîte. Rapport, mais pourtant je viens aussi déjà. De bah, j'ai déjà vendu à 70, 75 par volonté, quoi, on va dire. Bah, ben, en allant plus vite que la bon, vitesse. Bah, je laisse 65. Ah, non, tu montes parce que c'est à cause des descentes, mais sinon. Je savais, ça sent les nems. Les filous, ils mangent des nems pendant que je suis occupé. C'est scandaleux. Ah, bah, c'est ce que j'avais. Je pouvais en manger hier, je n'ai pas mangé. Ah, c'est horrible, ça sent trop bon. J'ai pris les samosas à la place. Et ça repasse à 65, hein. Ouais, ouais, non. Je continue à 65, donc pour la peine. De toute façon, t'es devant moi. Je vais attendre une ligne droite pour manger un petit dinosaure. Un dinosaure en M ? Tenez la gauche. Ah, mais non, pas en M. Je vais pas aller chercher des nems là-bas. Je pourrais faire une pause et gratter un nem discrètement, mais... Je vais me brûler les doigts. Moi j'ai préféré prendre des samosas. Bah c'est ce que je mange ce soir en plus. Je mange du riz cantonné avec des nems, des samosas, des tempura. Que j'aime. Camion roule droit. C'est bien un camion. Alors qu'est-ce que c'est? Un triceratops. Attention le muret, monsieur. You have entered the city. Ah bon? J'ai entered dans le city. Je suis sur la voie rapide à côté, faisait pas genre. C'est parce qu'il y a Carson City à droite, c'est pour ça qu'il vient de me faire chier, mais bon. Je suis loin de la ville, les gars. Mais là j'étais obligé de manger, franchement je sais que ça se fait pas, j'aime pas généralement, à part quand je joue avec Butters, en fait il y a que quand je joue avec Butters que je le mange pendant que j'enregistre. Parfois. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Tenez la gauche, ah on va tourner. Oh là il faut freiner. Tournez, oh yeah. J'ai pas beaucoup mangé à midi. Fais gaffe, il y a un feu rouge au bout, hein. Ouais bah j'y attendais. C'est écrit Freeway End. Oh les mecs, ils t'annoncent du 50. Allez, c'est parti. Il smile le grand-père là au feu.
Bah moi c'était rouge hein. Laisse, plus de sel, laisse-moi repartir. sérieux. Oh putain, on se retape des petites routes. Ah bah il nous reste 700 miles, hein. Ça va accélérer derrière. Attends, on a rien fait en fait, on a fait que 100 miles. Bah oui. Pas. On est à peine sorti de la ville hein. Sorti de la ville. Non, ça faisait un moment, on était sur des routes à 70. C'est même passé à 80 à un moment. Allez, une petite route à 50. Cinquante-cinq, je prends. On évolue jusqu'à 55. Ah merde, mon régulateur de vitesse s'est pas mis. C'est pas long. Comment je vais manger mes dinosaures, moi, sans régulateur? Voilà. Mais bon, je suis à 55. Qu'est-ce que c'est comme dinosaure, ça? Les dinosaures dinosaures. Il a des points sur son dos. Ah! La tête, on dirait un trisé tortue. On dirait un bulle bizarre, sa tête. C'est celui qu'il y a dans les. Ah, si, je vois, ouais. Même il a une. Au bout de sa queue, il a une boule. Non. Bah, normalement. C'est un stégosaure. C'est un stégosaure, ouais, c'est ça. Je suis sûr que ça se mange, ça. Un stégosaure? Ouais, bah oui. Ouais. Avec un nom pareil. Le mec, tu voulais le bouffer. Ah bah oui, les mecs, c'était... Voilà, on a découvert une nouvelle race de dinosaures, mais... On n'a pas encore choisi de nom, mais on vous le sert en steak. Et le mec, il a dit, bah, c'est un stégosaure. Oh, ah, trop fort, le stégosaure. Vas-y, valide. Marque-le. Ah, il y a de l'eau à droite, à gauche. Lac. Oh là, il y a du virage, faut ralentir. Ouais, 45. Waouh. Je respecte, madame, je respecte. C'est le buteur qui respecte pas, jamais. Bien sûr que j'ai respecté, j'ai freiné. Là. Je respecte, je suis à 51. Bah, je suis à 45. Comment ça, on peut repartir à 55? C'est cool ça. Ouais, on sort. La vraie question, c'est vu qu'on a une longue distance, est-ce qu'on va faire un accident? Parce que t'avais dit pas dans le premier, tu vois dans le premier, bon c'est pas arrivé. Ça a failli. Ça a failli. Ça a failli, mais c'est pas arrivé. Tenez la droite. Petite erreur de jugement. Continuez tout droit. Ah mais c'est vrai, petite erreur de... Mais tu roules à combien là? 55. C'est bizarre, je roule à 51, 52 et je te rattrape en étant en dessous de toi. Ah bah ouais mais c'est 55. Là je vais plus vite, là je suis à 60. Un peu moins. Bah moi je suis rattrapé alors que j'étais à 51, 52. Bah je suis à 55. Ouais mais je roulais un peu moins je pense. Ah oui mais moi j'étais à 45 quand t'étais à... À 50 non, et quelques. Non mais... Non non j'ai ralenti après. Ah j'ai eu deux triceratops. Des triceratops, oh c'est dégueulasse. Le pauvre. Vraiment. Déjà d'une part, son espèce elle a disparu, en plus tu te fous de sa gueule parce qu'il y avait des trisoras au top. Ouais, il y en a peut-être eu des trisoras au top, mais ils ont pas eu le temps d'exister, je pense. Dès que leur mère, ouais. Dès que leur mère elle leur a donné naissance, elle a vu ça, elle l'a bouffé. C'est bien connu. Ils étaient herbivores, mais ils ont vu ça, ils ont mangé. Ils l'ont offert en sacrifice. Ils ont appelé un T-Rex ou un Vélociraptor. Ils ont dit vas-y, prends-le.
On veut pas être responsable. Prends-le, je l'ai attaché au troisième arbre à gauche à l'entrée de la forêt, je te le laisse. Dis-lui que c'est un jeu, il fera pas gaffe. Horrible, c'est parce que maintenant j'ai faim. J'ai soif. Ça c'est l'horreur du chocolat. J'adore tellement. J'ai faim, j'ai envie de me faire un triso. Oups, dégâts de la semaine 2 pour Oh là, 50. Et on tourne à gauche. Donc on ralentit. Je me suis pris une petite pancarte qui disait tourner à gauche. Fais gaffe, hein, c'est 35. Ouais, j'ai anticipé. Bah ouais, de toute façon ça tourne. Alors, j'ai essayé d'anticiper. Ah non, mais c'est une sorte de mini-ville à 35. Ah, il y avait l'essence ici. Bah, on est à fond. Ouais, ouais, on est encore à fond. Non, mais j'ai calculé justement. 50, allez, ok, on est parti. Bam. 55, allez, c'est bon. C'est du tout bon. Attention, il y a un panneau. Non, il n'y a pas de shérif caché derrière. Ouais, tu roules à 55, qu'est-ce que tu t'en fous ? Alors, on les connaît, les gaillards. Hein. Cachés derrière leur panneau. Droite, hein. Et une petite ligne droite pour que je puisse boire. Ouais, ligne droite. Je vais essayer de pas finir dans le décor. Je Par contre, maintenant on peut passer à 70. Ah merde. Déjà que je vais trop à, je vais trop à gauche. Bah bois un coup pendant que t'es à 55 et puis tu passeras à 70 après. Ah bah tout ça. C'est que j'ai vu un peu trop. Ah, on me dit dans mon oreillette que je peux pas atteindre 70. Et bah c'est pas grave, ça sera du 65. Au moins j'aurai une marge quand il y aura des quand il y aura des descentes. Allez, c'est bon. Accélère. Mais j'ai réussi à boire quand même. Ah bah moi aussi je l'ai fait tout à l'heure. C'est pas dur quand c'est t'as une... Je partais. J'ai qui me prend. C'est pas dur. C'est pour ça qu'on a inventé les pailles. Hein. Oui, mais là la bouteille c'est un peu plus compliqué la paille. C'est vrai. Surtout que je suis à peu près à la moitié de la bouteille donc faudrait une paille géante. Bah une paille qui va jusqu'au bout. Ah, un collègue. Pas des trucs comme ça, toi. Ne lui rentre pas dedans. Mais non, je lui rentre pas dedans. Qu'est-ce que tu racontes, Michel? Il rentre pas dans les gens. Tout de suite, ça y est, j'ai pris un petit poteau qui traînait sur le portail là pour jeter mon papier de dinosaure. Ça y est, je vais défoncer les camions qui passent. Je faisais gaffe quand même. Prépare-toi à tourner à droite. Ah ouais, je me disais, il fait bien plus noir que ça, c'est parce que j'avais déjà mis... Je me suis arrêté au stop. Bah, il vaut mieux, ouais. Un peu raide, le coin. Et on peut repartir en 70, ouais. Oh, non. J'ai vu virage et tout ça, C'est des petits virages. On sait jamais, hein. Bon, de toute façon, tant que tu te relances, tu seras jamais à 70. Virage. C'est vrai. On va pas se mentir. C'est quoi ça? Ah, attention, il y a un truc sur l'angle. Ah, tu vois qu'on doit pouvoir croiser. Je me demande si on peut. Parce que j'ai entendu des trains, moi, quand j'étais dans le multi. Ah oui, j'ai déjà vu des trains. Ouais, mais donc ça veut dire, tu vois, on peut, ça veut dire qu'il y en a qui peuvent te couper, j'imagine. Bah, ça dépend si le mec il active ce jour-là. Aujourd'hui il active le train. Ça se peut que le train. Voilà. Si il découvre qu'il y a trop de bugs, ça se peut qu'il il l'enlève. Ah, oh, putain, faut refreiner derrière. 35. Parce qu'on arrive à. Tourne pas. Tournons pas. Cool, je suis jamais venu. Tourne pas. Tourne pas. T'as combien toi? 45? 35.
le respecte, madame. Il y a une femme avec un déambulateur qui vient de passer à côté de moi, elle m'a doublé. Oh putain, 25 maintenant, mais... Vous faites exprès, foutage de gueule. Tu m'as dit c'est une city. C'est une city, oui, mais... 45, tu m'as dit. Ouais, mais je sais pas, c'était pas écrit, donc... quand je suis arrivé en ville. Ah, ouais, c'est pas faux. Ouais. Donc dans le doute... J'ai pas pris l'amende, moi, à 30. Dans le doute, je me suis dit... respectons les vitesses. Ça fait une heure qu'elle couine dans mon GPS et... Ah bon? Non, moi, elle me parle de temps en temps. Pour les choses importantes, quoi. Enfin, de temps en temps, elle dit... elle se rappelle qu'elle doit m'aider. Elle dit « Ah, au fait, il faut tourner là. » Je dis « Ouais, bah t'es gentil, fallait le dire avant. » Ah, t'as la version qui crache, oui, toi. Ouais, j'ai la version qui... De temps en temps. Ouais, c'est comme si j'avais une meuf à côté de moi et elle me dit de temps en temps... là, il y avait une place. Ouais, mais c'est super, t'aurais pu me le dire avant, on vient de passer maintenant. Ah bah, tu me dis, je te le dis, hein. Eh ben c'est ce genre de truc que j'ai. Ouais, non, mais je t'ai dit, la dernière fois, c'est ce que j'ai eu. Non, ça se règle en fait, je crois. Non, il remarche là, regarde, j'ai rien touché, moi, il remarche. D'accord, bah je pense qu'il y a une barre que tu dois régler en fait dans le truc GPS et tu lui mets. Où tu lui dis. Où c'est un truc que tu dois sélectionner, genre tout le temps, de temps en temps. A bugué, tu sais, des fois même me lancer des phrases et j'ai remarqué qu'il y avait des bugs parce que des fois elle commençait des phrases et elle les disait pas en entier. Genre, au lieu de te dire tourner à droite, elle te disait tourne. Quoi? Tourne! Et t'entendais que le truc il ripait, tu sais, je sais pas, il y avait un problème avec l'audio, enfin, j'ai l'impression. Et c'est revenu depuis, j'ai plus de soucis. Donc... Je suis sorti de la ville. Ah, voilà un panneau qui fait plaisir. Avance ton profil. Ah bah, regarde sur la droite, tu vas voir le panneau qui fait plaisir. Ah, ça c'est bon, ça. Ça dit, allez les gars, vous pouvez... Oh, attention, il y a un truc sur la route. Bah, chemin de fer. Il y a du sable, attention. Bah finalement j'ai envie de te dire ça vaut pas la thune qu'on va gagner. Ouais, carrément. Parce que ouais c'est plus long, je pensais que ça allait être que de la... J'ai pris ça parce que je me suis dit on va passer à Las Vegas mais... Ouais non mais c'est pas super rentable ouais. Parce que pour le même prix j'aurais fait un truc à 900 miles et j'aurais eu 3 fois la thune quoi. Je suis un peu déçu. 4 fois même sur certains trucs. Je pense qu'il y avait moyen de gratter jusqu'à 4 fois la somme. 3-4 fois tu les avais. Parce que tu m'as dit combien? 13 000, c'est ça qu'on avait dit? Ouais. 17 000, je sais pas. Ouais, 17 000, je crois. Je crois 13 000, c'était la course d'avant. T'imagines, il y a 4 000 de différence pour 2 fois plus de route quasiment. C'est juste fou. Comment je vais me payer un camion pour mon employé, moi? Courses à 10 000. Bah, faut faire des prêts à la banque. Bah, j'en ai pas besoin. Ah, t'es patron, hein. Les patrons, c'est j'aurais comme 150 ça. 150 000. Ouais, je sais, mais j'aurais là avec quand on aura fini ça, j'aurais j'aurais un peu plus de 150 000. Ouais, mais une remorque ça coûte 150 000. Ouais, mais je peux d'abord acheter le camion, moi, mon gars. La remorque ça attendra, j'ai pas besoin. Ah, bordel! Je veux un employé. Bah, fort freiner, il y a une nouvelle ville. Enfin, une bourgade. Putain, ça me fait peur parce que quand on est sur le multi, des fois ça met des petits à-coups, tu sais. J'ai toujours peur que c'est lui qui freine en vrai. Calcul t'es parti quoi. Non, vas-y, prends tout droit, c'est normal. Je suis passé chez moi. Je dois déposer la pension alimentaire chez mon ex. Elle habite par là, donc j'en profite.
30-70% de discount. Il s'est dit, je vais aller faire les sols. Non, c'est parce qu'en fait, je croyais que. Déjà, tu vois, la route que t'as pris, je l'ai pas en fait. Mais celle-là, je l'avais pas non plus. Je me suis dit. Tournez à droite. Ouais! La route. Bah écoute, j'arrive sur la route, j'allais repasser devant toi. Mais non. Bah non, t'es pas sur la route prioritaire, monsieur. Et finalement, le trajet que t'as, bah je l'ai pas en fait, il est en gris. Comment ça se fait? Bah fallait le prendre. Bah je croyais que je l'avais en fait, je l'ai pas vu. Je me suis dit, ah bah je l'ai pas le petit bout, tu sais. J'essaye de remplir les trucs au maximum, mais des fois c'est chiant. Parce que le but c'est de passer sur toutes les routes de tout le jeu. Ouais, bah je sais, mais je veux pas aller créer un accident pour ça. Ah si, moi ouais, ça me dérange pas. De toute façon, tu dois être maître de ton véhicule. Hein. J'en ai à foutre, bah je l'ai été, t'as vu ça? Toi qui me dis que je fais jamais gaffe, t'as vu cette maîtrise? Je t'ai pas touché. Même pas effleuré. Je me suis arrêté à quelques centimes. Ah, allez, le mec, fallait qu'il double, il fasse le. Quoi, la route elle est écrit 70, moi j'y vais hein. Bah moi aussi, mais on était en train de parler, alors je t'attendais. Et comment dire ça? T'étais sur une route secondaire, donc t'as pas... passé. Oui, bon, disons que j'ai freiné, je m'attendais pas à te voir tout de suite. Bah tu t'attendais à quoi? Moi je suis reparti tout droit après. Non mais comment... Mais pile au moment où le truc, il y a des petites crachouilles là, le mec je sais pas s'il freine. Non, je t'ai pas touché, bah quoi. C'est le serveur. Oui, je m'attendais pas que tu sois vraiment derrière quoi. Mais par contre, mais au moins, ça t'a. On est à 20 en ville. Au moins ça t'a prévenu que. Au moins ça t'entraîne quoi. Ah bah ça pour l'entraînement. Ah aussi j'ai vu que dans les trucs qu'ils veulent incorporer, ils veulent mettre une école de conduite. Mais à quoi ça sert d'avoir l'école de conduite alors qu'on a déjà ouais, les mecs ont fait full heure dessus. Ouais. Ah peut-être maintenant ils vont dire tu peux pas conduire si t'as pas ton permis et tu devras faire l'école de conduite. Et ça. Ce serait débile. Bah non, ça peut être marrant. Ouais, mais ça fait chier, je veux dire, t'es lancé dans ton entreprise. Ah, 50. Le mec aime pas ça. Tu vois ce que je veux dire, si t'as. Comment dire ça? Eh ben. Bah je sais pas. Un senteur sur le jeu, si on te l'impose, non je pense pas qu'ils l'imposeront à cause de ça, parce qu'il y a trop de gens qui ont trop d'heures sur le jeu. 30. On arrive dans une petite bourgade. On arrive dans une bourgade. Là aussi tu veux pas tourner à gauche pour récupérer là? Si. Comment je le connais par cœur le mec. Préparez-vous à tourner à gauche. Recalcule. Tournez à droite. Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire. Ah ouais, tiens, t'as pas pris le chemin le plus compliqué. En Z. Non, j'ai pris celui-là parce que je me suis dit... Tournez à je le prendrai pour la prochaine fois. Oh, il y a un diner. On y va? On va casser la croûte? Eh non. Règle numéro 1, quand tu fais une livraison, tu casses pas la croûte. Ah si, j'ai mangé des dinosaures. Non mais dans le jeu. Et alors, bah j'étais dans le jeu. Attends, salut. Peux-tu me dire à quoi sert le booster à l'arrière des remorques surbaissées? Un booster? Bah peut-être je sais pas booster là un booster peut-être peut-être si c'est peut-être est-ce que ça t'aiderait pas à repartir si t'es si la remorque elle est un peu lourde en montée ou quoi que ce soit, je ne sais pas, c'est peut-être une aide ou vu qu'elle est surbaissée peut-être tu peux rester coincé sur des environnements un peu comment dire, chaotique. Avec du relief. Ouais, avec du relief. Ça se peut que. Parce que si c'est surbaissé, ouais, ça se peut. Tiens, je vais mettre mes blafards. Ça se peut que ce soit un peu dérangeant. Si tu passes à un endroit où. Genre sur un chemin de fer ou un truc comme ça.
Mais après, j'ai pas plus d'informations que toi, je suis désolé. Et pour te dire la vérité, je pense que tu viens de m'apprendre un truc. Parce que je ne savais pas qu'il y avait des boosters sur les trucs. Je savais même pas qu'il y avait des boosters sur des... Moi j'ai une excuse, je débute dans le jeu, voilà, je suis à 30 heures de jeu, j'ai jamais vu une remorque de ma vie. Attends, moi aussi je débute, hein. C'est pas parce que j'ai déjà livré des remorques que je connais tout sur les remorques. Le mensonge est Dans mec, c'est sa deuxième partie en vrai. la vraie vie, je ne suis point routier. Hein? Je croyais que tu m'avais dit que t'étais routier de père en fils, fils de boulanger. Tu m'avais pas dit ça une fois. Si. Voilà, donc t'emboutes les gens. Tu me Moi, mens à moi? non, Moi, Michel? moi, Tu on me mens m'a. à Michel? Non, moi, on m'a donné une clé un jour, on m'a dit tiens, conduis ce camion. J'ai conduit le camion. Je suis pas Ok. dans l'en. Jacques en voiture, il s'endort alors Je suis pas que dans le détail. Je suis pas dans le Jacques. détail après. Tout à l'heure, Voilà. il a tourné sec, on sait pas pourquoi, parce qu'il a vu les soldes. Je sais qu'il y a une caisse où tu peux ranger tes outils au niveau de la remorque. Je sais que tu peux mettre aussi des roues de secours. Après, voilà, quoi, Osef. D'ailleurs, sur ma remorque, tu sais, il y a des petits. Pour le détail, c'est vous qui voyez. Des petits auvents sur le côté, là. Il y avait des plaques sur le côté de ma remorque. Ben, je les ai enlevés, j'ai mis des roues de secours. Ça dégage. J'ai dit, je veux pas de ça, moi. Imagine, il y a les routes, ils sont un peu bizarres et je me coince. Je les ai enlevées. J'ai mis des roues de secours. J'ai dit, on sait jamais si je crève. Allez tout droit. J'ai des roues. Si tu crèves, tu vas direct au cimetière, hein. Non, si je crève la roue. Ah, on s'approche de Las Vegas. Las De Vegas, Las Vegas baby. et de pioche. Oui, tu peux piocher à Las Vegas si tu veux, mais... Tu te rends compte, les mecs se sont pas fait chier, hein. Ils ont fait une ville de mineurs, vous faites quoi? On pioche, ok. On appelle ça pioche. Je pense que Miner City ou... Salt Lake City. Non, Las Vegas. Miner Town. Non, il y avait Salt Lake aussi. Miner Town, ouais, peut-être. C'était écrit Salt Lake. C'est pas moi qui le dis, c'est le panneau. T'as failli aller à Ah Las. ouais, Salt Lake City. Putain, je suis déçu, on n'est pas rentré dans Las Tournez la Vegas. gauche. Pas grave, ça me compte quand même une partie de découverte. Ouais, ah, regarde, elle est en face! Tu vas la voir, elle brille de mille feux. Ah, voilà, j'ai vu sur le panneau Phoenix. On voit Big Ben, non? Ah non, c'est pas Big Ben. Oh là! Est-ce qu'on verra le Montecito? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai jamais mis les pieds moi dedans justement. Regarde après j'ai découvert en passant à côté. Je crois qu'il n'existe pas le Montecito en vrai. Après techniquement on aurait pu passer dedans. Il nous aurait fait un recalcul, on aurait pu le faire aussi. On aurait pu le faire aussi. Ah, t'aurais voulu rentrer dedans, tu me l'aurais dit avant. J'aurais regardé avant de partir et puis j'aurais dit bah vas-y, viens, on rentre. Et... Bon, c'est pas grave, un jour on ira par un truc legit en mode On ira avec une livraison. aller Bah, livrer peut-être la Phoenix. Eh, peut-être un petit Phoenix Las Vegas? Las Vegas. Why not? Ouais, peut-être livrer des jetons ou des machines à Ah sous. oui. Des machines à sous, ouais. Ou des Je prostitutes. crois qu'il y a des. Un cargo de prostitutes. Un conteneur. Un conteneur. Allez les gars, allez les filles, vous montez, on vous amène à Las Vegas. Bah, je mets ça dans le conteneur, moi. Vous, à J'ai gauche. du maquereau à livrer. Arrête, de la morue. Ah, de la brandade, je peux t'en livrer autant que tu veux. Non, c'est le surnom des prostitutes.
une morue. Et le mec, c'est les macros. Bah, comme ça, c'est raccord. C'est la petite remorque à deux essieux. À l'arrière de la remorque sur base. Ouais, c'est ils m'ont filé une petite remorque en fait de. Attends, je vais essayer de. Je vais te montrer ça. C'est une toute petite en fait. Enfin, c'était une petite. Ah ouais, faut que je freine. Ah. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle a changé. Je la voyais plus petite que ça la remorque tout à l'heure. Standard, c'est parce qu'elle est blanche et tout à l'heure la couleur on avait à peu près la même, je crois, mais marron. Elle devait être un tout petit peu plus grande. À tout à l'heure c'était carrément un conteneur qu'on transportait. Ouais, ah, c'était une remorque, monsieur. C'est juste qu'elle avait une gueule de conteneur. Il mord les lignes. Qui? Jackie? Pardon, oui. Non mais c'est parce qu'en fait j'étais en train de je faisais voir ma remorque. Ah, j'ai entendu et je me doute bien que pour que tu sois sorti autant de la route. Ah merde, merde. Qu'est-ce que t'as fait? Faites pas peur comme ça. J'ai failli être ban du kick. T'as du serveur. Ouais, parce que je voulais mettre mes essuie-glaces parce qu'ils... Si, ils m'ont dit. Il m'a dit... Oui, non, mais... J'ai eu un message rouge en bas qui a dit « Remets tes phares ou tu dégages ». J'ai dit « Oui, monsieur ». Par contre, c'est 65, monsieur. T'avances pas. Oui, mais tout à l'heure, j'avais dû freiner parce que ils avaient remis un truc plus bas. Et c'est parce que je voulais mettre mes essuie-glaces. Je me suis aperçu de qu'il neige. Ah oui, il neige. Un collègue. Encore un collègue. Ça marche pas sur toutes les neiges. Là, ça marche avec la neige fondue. Ah bah moi je me fais pas chier, hein. C'est pour le côté RP, je mets le. Il y a de la neige qui tombe, je mets l'essuie-glace pour faire genre. Ouais, mais moi je le mets quand c'est la neige fondue, parce que ça se dépose sur le pare-brise. Il y a le petit détail. Peut-être. Je l'ai eu du côté de LA, je crois, il me semble. Bah j'ai pas eu, moi. J'ai pas fait. Moi je vois de la neige, j'ai mis et puis voilà. C'était de la neige pluie un peu, hein, entre les deux. Ah ouais, mais je crois qu'on n'a pas réglé le truc de la pluie pareil, nous. Ah, moi il est complet. Moi la barre de truc de pluie, je l'ai mis tout en bas en fait, pour en avoir le moins possible. Ah ouais, non, moi j'aime bien ça. Moi j'ai mis entre les deux, genre un peu réaliste quoi. Que t'en aies de temps en temps et que t'aies un peu de tout quoi. Ouais, faudrait que je fasse ça. C'est quoi le réglage? Bah je trouve que c'est carrément plus cool quoi. J'aime bien voir la pluie et tout. Justement ça permet d'utiliser les essuie-glaces, ça permet de rendre le truc un peu plus crédible. Ouais, mais des fois il pleut trop et après tu vois plus rien. En plus ils vont améliorer ça dans la mise à jour 1.40 qui va arriver. Bah justement c'est cool. Ouais. C'est plus du truc. Non mais c'est parce que j'ai eu des soucis en... Je te cache pas que j'ai eu des soucis en solo à cause de la pluie. Pas quand il fait un grand soleil, alors lui puis ce pluie torrentielle, j'ose même pas imaginer le Jackie ce que ça doit donner sur l'autoroute. Je suis sûr qu'il commence sur l'autoroute, il finit dans... Je vais pouvoir te montrer, je dois sortir pour la peser. Bah pas moi, mais comme tu m'as attendu tout à l'heure, je t'attends d'un nouvel itinéraire. Bah oui. Ouais, là je la vois plus grande en fait. Mais ouais, tu vois, elle a une roue à l'arrière et deux petites. Ouais, elle a qu'une roue à l'arrière en fait. Donc elle est petite. En fait, on a qu'une roue à l'arrière. Oui. Enfin, un essieu. Enfin, je passe. Hein. Ouais, t'inquiète pas, je te laisse passer. Et donc, Ah bah il est parti.
Et pour ceux, bah, de toute façon, pour ceux qui regardent, qui regardent la rediff, dans la mise à jour 1.40, il va y avoir le... Oh, c'est 45 qu'il faut rouler. Il va y avoir les nouveaux châssis avec les 8, les 8.2, les 8.4, les 8.6, je crois. Ouais, les 8.6. Enfin, je crois que c'est, je crois que c'est 8.6, mais je suis pas sûr. Qui va équiper ? Ah non, moi je laisse mes deux roues. Je laisse mes deux roues. Ah, il faut se mettre sur la voie de gauche. Ah merde ! Ah bah ça me l'a pas compté. Ça me l'a pas compté. J'ai vu qu'il y avait un feu, mais j'ai pas fait gaffe. Et non, non, moi je mets ce. J'ai tenté, moi je me la prends. C'est dégueulasse ce jeu. Sur mon camion, je laisse les deux roues arrière en fait. Ah, l'arnaque moldave. Toi, tu vas vers quoi? Tu vas te mettre trois roues à l'arrière? Je sais pas du tout. Je sais pas, je verrai ce que ça apporte en fait. Bah, ça, ton camion, est, ça agrandit ton châssis en fait. Je pense que ça dépendra du. Ah, ce. Ça propose parce que. Je pense que oui, t'auras des cabines légèrement différentes, ce genre de choses. C'est juste que t'as... t'es plus long derrière en fait. Ouais, mais ça doit bien apporter quelque chose. Ouais, je pense que ça doit apporter quelque chose. Pour les le truc des remorques et tout ça. Ouais, voilà, pour les chargements lourds, les trucs comme ça, les propos exceptionnels. Je verrai, mais je pense que si je peux le faire avec deux roues, je vois pas pourquoi j'en mettrais trois. Bah les... Ah oui, tu l'as toi? Ouais. Ah j'ai pas... je l'ai pas acheté encore, Eevee. Je dois acheter... Je dois acheter Eevee et Spécial. Ouais. Spécial, c'est plus intéressant que le Eevee. Il y a un mec devant, hein. Ouais, ouais. Il y a l'arrêt, je crois. Ouais. Si je devrais en acheter un des deux, je pense que j'achèterais plus le spécial que le heavy. Quoi déjà le spécial? Bah tu transportes des maisons, des hélicos, des trucs un peu spéciaux quoi. Les gros bateaux, les trucs comme ça. Ouais, des bateaux, des trucs comme ça. Que le heavy c'est plus par rapport aux... C'est les rondins, c'est les trucs pas de chantier. Mais c'est plus au niveau des... De la... Comment on appelle ça? De la remorque en fait. Genre remorque spéciale avec truc amovible. On tourne à droite avec une autre petite. Tu sais, genre il te rajoute des roues à l'arrière en fait. Genre tu transportes un tracteur. Enfin, pas un tracteur, un engin de chantier. Un engin de chantier et à l'arrière de la remorque, il te rajoute 4 petites roues en fait. Oui. Sur genre c'est rebranché à ce truc là et ces 4 petites roues et c'est comment on appelle ça? Elles sont articulées. Il ne reste pas mine de rien 180 miles hein. Hein, elles sont articulées. Ouais, donc ça te fait tout un truc assez grand quoi. Donc je sais pas, ouais, je partirais peut-être sur le spécial, ce serait peut-être plus marrant. C'est un petit check en même temps de genre ce qu'on reste à faire. Transporter un bateau, un truc. Après c'est dommage qu'il y soit pas, mais tu sais ce que j'aurais bien transporté? Les remorques spéciales ou pour les voitures de course, tu sais. Avec le beau dessin sur le côté, genre truc Mercedes ou un truc de NASCAR, machin, et tu dois aller la porter. Ouais, truc que genre tu dois le ramener pour un grand prix ou pour un... Ouais. Séance de prêt. Ah ouais, j'ai payé mon prêt. Tiens, j'ai oublié de regarder, faudrait que je regarde quand on va livrer la cargaison si
Si Georges y travaille toujours. Benek. Par contre, ça se voit que c'est le début, quoi. Il va pas loin. Hein. Il fait Salem, ah, il fait Salem Yakima. Ouais, c'est normal ça. Yakima Salem. Si, à un moment donné, je l'ai vu faire une autre route, mais la plupart du temps, il fait Salem Yakima, quoi. Ah, c'est le début, faut se dire. Ouais. Ah oui, après, je vais lui mettre longue distance et tout ça. Partira là. Ouais, là je suis en train de mettre coco et après je lui mettrai longue. Je sais pas, je vais voir, je vais peut-être mettre 3 cocos ou un peu plus et puis. Et après je lui ferai basculer sur longue distance. Ah, le truc c'est que carburant, t'es pas obligé de mettre beaucoup au début tant qu'il a pas les longues distances. Quoi. Après, je pense que je vais le faire varier entre. Chaque fois qu'il. Ah, je vais peut-être faire 3 longues distances et après je le ferai partir en. Un truc ouais c'est sur le côté. Comment ça s'appelle Grande valeur. Ouais, grande valeur, c'est ça. Grande valeur. Je l'ai choisi, il avait un en grande valeur. Un en carburant et un en gaz. Ok, ils ont déjà des points de base selon le. Ouais, il démarre avec un. Enfin, un. Peut-être un dans 3 ou un dans 2, tu sais, mais. Ils arrivent pas. Ah, c'est 55. Ils arrivent pas à 0 et en mode. Bonjour. Je viens à peine de sortir du. Je viens à peine avoir mon permis, je voudrais travailler pour vous. Allez mec, Ah putain, 35 maintenant. Mettez-vous d'accord. À ce moment-là, tu dis non, moi je veux quelqu'un qui ait déjà un bagage, quoi. Putain, mais Tu payeras plus cher. Ah putain, c'est 25. Ah, c'est parce qu'on est à un rond-point. Tenez la gauche. Tu sais que t'aurais dû le prendre à l'intérieur. Si je suis à l'intérieur. Ouais, c'est ce que t'as tourné après. Oui. Sortez maintenant. Mais t'étais pas dans la bonne voie. Voilà. On a eu notre premier rond-point. Ouais. Je me rappelais pas qu'il y en avait un là. Bah, je t'avoue que je me rappelais pas. Pourtant, j'ai été du côté de Phoenix. Mais c'est peut-être là où je l'ai chopé le rond-point. T'as su me sens ici. Peut-être. Barrage, je suis mis sur la voie de gauche. Allez, 65. Alors, on est bientôt arrivé. Ouais, on part 75 miles. Ouais. Ah, on tourne à droite. Tenez la droite. Regarde, ça a l'air un peu sec. Je freine. Ah, bah, de toute façon, c'est un feu donc. À droite. Ça vaut vraiment pas sa thune quand même. Hein. Non. Course, ah ouais, non, ça vaut vraiment pas sa thune.
course à 50 000 $ qui était, je suis sûr, moins longue que ça. Ah oui, mais c'est vrai que toi t'as un truc de plus que moi. Je me disais, mais merde, comment tu fais pour avoir des 50 000? Mais je crois que t'as un truc de plus que moi en longue distance. Bah, je crois que j'ai 4 carrés, il me semble. Ouais, il me semble, hein. Je crois que j'ai pas le prochain qui doit être 1600. Et le dernier, non. Ah, quoi que j'ai peut-être 5, j'ai jusqu'à 1000, je crois. Sortir. Bon, on est presque arrivé. Ouais. Ça va freiner sec. Tenez, ah, la gauche. Tourner, tenez à la gauche et tournez à gauche. Fais gaffe, il y a quelqu'un en plus. Bah, je m'en fous, moi, c'est feu vert. Ah merde, c'est pas là. C'est au fond. Mais non, c'est la prochaine. Ah, c'est feu rouge. Tournez à gauche. C'était orange, monsieur. Non, c'est le. Ah. Mais non, c'est le feu à gauche! C'est le feu à gauche! Ouais, bah j'étais plus à cette stampe. Attends, moi il est rouge! Bon, bah une course qui m'aura coûté vraiment pas cher! C'est clair! T'auras plus dépensé que. Ah bah, que ne t'auras gagné! Rouge. Ah, il respecte même pas les feux quoi! T'es... Bah, c'est toi qui dis ça, t'en as cramé un! Hein. T'as eu la chance de pas prendre d'amende, allez. Et ouais, c'est vrai. Oui, mais c'est voilà. Qui est pris, qui est pris, qui s'est fait mal prendre. Il faudra qu'on remette de l'essence. C'est bon, on accélère, on est parti. J'accélère, monsieur. Oh, comment t'aurais pu t'appeler, comment on aurait pu s'appeler comme ça? Bah tu sais que c'est mon vrai nom ça. Quoi? Tout le monde m'appelle Jackie. Ah oui. Ah oui. Mais je m'appelle J'accélère. Ah oui, si tu veux. Sérieux? Je suis à côté de toi. Bah, t'es derrière moi quoi. Non, à côté. Tu passes ta tête à travers ta fenêtre. Enfin, ouvre la fenêtre. Mais je suis là. Ouvert chez moi. Pas de ma vie à mettre ma tête à travers. Mais je sais même pas si ma fenêtre elle est ouverte ou pas, mais quand je. Regarde. Non, on voit pas. Mais quand je tourne ma tête pour regarder dehors, sa tête va dehors donc. Bah, moi aussi. Je sais pas si mon carreau est toujours ouvert. On va sortir. Ouais. Attends, parce que le GPS il est bizarre. C'est si, pas là. Il tourne à droite. Non, c'est pas là, hein. C'est la prochaine. Tu vois, je te l'ai dit. C'est juste, tu restes sur la route. Ils ont carotte parce qu'ils ont dû tourner, ils auraient dû te l'annoncer. Ouais, mais il faut regarder. Parce que c'est un peu. Ça descend et tout, alors je fais gaffe. Ah, bon, on arrive. Je vois le point de livraison. On va ressortir derrière. Tenez la droite, puis sortez à droite. Oula! Les gars, sortez à droite. Je freine. J'imagine qu'il y a un stop, une connerie en haut. Qu'est-ce que t'as fait? Non, je rigole, c'était une connerie. J'ai rien fait. Tournez à gauche. Nous, tant que ça s'allume pas, on freine pas. Donc les stops, hein. Ça m'arrête pas au feu rouge alors, les stops. Être là. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Ah, en même temps, tu veux que je tourne? Ah non, j'allais dire, je suis déjà vu ici, mais je crois pas. Tournez à gauche. Ah bah, c'est cool ça, y a pas de feu. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Tournez à droite, puis tournez à gauche. Attends, c'est où que je veux tourner? À gauche. Là, maintenant. Tournez à gauche.
Non, c'est à gauche là où je suis. Ah merde, qui est par T'as été trop loin. Oh putain, dans le noir en plus pour voir quelque chose. Attends, moi je vais regarder ça. Oh lolo! Que Je fait-il? suis con. Bah Attends, je vais trouver plus simple. oui, Je vais passer derrière les arbres. tu fais demi-tour. Quoi? Non, mais c'est pas la même entreprise ici. Il rentrait, tu t'es trompé d'entreprise. Je sais. Oh bah je vais pouvoir Ouais, tu vois, regarde, c'est 15. Ah, ça dépend l'entreprise. Enfin, je pense. Parce que là, c'est 15 d'XP ou 40 XP. Mais oui, je t'ai dit, ça dépend des main-d'œuvre en fait. Ça dépend de Je l'entrepôt. pense que ça ouais, je pense que ça dépend en fait. Je te l'ai dit. Bah, t'inquiète pas, madame, je tourne. Cette fois-ci, je fais gaffe. Bah je me prends Mais c'est vrai que 40 c'est quand plus même, hein, simple. on sait jamais. On voyait rien aussi là. Ah ouais, il était là le truc. Ouais, mais j'avais pas vu moi. Maintenant, je le vois à travers. C'était tout à l'heure qu'il fallait me montrer à travers. Bah, le truc, c'est quoi cette entrée en même temps d'entrepôt dégueulasse? Mais on l'a déjà pris plus d'une fois, elle fait pas genre. Non, mais je te parle de l'extérieur, pas Ah la oui! barrière. Je parle vraiment. Merde, faut que je coupe le moteur. C'est pour ça que je voulais faire. Manœuvrer, non, bah voilà, je vous dis. T'aurais pu Bon, au là, moins il est rentrer pas tout bien. droit. Hein, En gros, j'ai gagné 10 000. Allez, j'ai gagné 11 000. hein? T'aurais pu au moins faire celui avec 15 XP pour rentrer tout droit. Ah non, longue distance, j'ai que 3 barres. Ah ouais, j'allais mettre mon prochain dedans, tiens, justement. Ah bah voilà, jusqu'à 1 500, c'est le rang 4. Alors c'est combien? Ah oui, c'est 2 500 le rang 5, et après le 6, c'est des livraisons partout. Eh ben, je vais mettre 1 600, je pense. Alors, j'ai eu Bon, alors j'ai combien? 2, fragile. Putain, J'ai 3, j'ai j'ai eu mis un en 13 000. Hein. danger. Ah, alors, Ah ouais, j'ai je suis à 3 en longue fait un bloc de distance. banane. Bah, je suis à 5, moi, je crois, maintenant. Putain. Non, à 4. T'as 4? Non, à 5. Attends, je sais plus. Bah, Attends. c'est les or. Moi, je suis jusqu'à 1 600. Rang 4. Puisqu'après c'est 2, après Aptitude, aptitude, je c'est suis jusqu'à rang 2 500. 4. Ah bah je suis rang 4, c'est Et ça. après c'est des livraisons partout Ouais, 2 500 et après c'est partout. Je t'ai dit, ils de avaient tiré plus sur de les bonnes 2 500. Ah bah j'ai pris pareil que toi en longueur. Et comme ça après je mettrai un quatrième dans marchandises de grande valeur et marchandises fragiles. Moi les prochains, ouais, je mettrai grande valeur et fragile peut-être. Et les dangereuses aussi. Alors, est-ce que j'ai eu de la couleur pas ouf. Attends, je vais regarder vite fait la couleur. Mac. Est-ce que j'ai eu des couleurs? Non, j'ai pas eu de Non, couleur. 51 000. J'ai eu de la transmission. Une dernière courte pour la route, qu'est-ce qu'on a? Merde, c'est pas ça. C'est ça. Alors, est-ce qu'on a un petit On Vegas? a un Phoenix Las Vegas, mon gars, deuxième page, pour les vaccins Covid. Attends. Pour 24 000 dollars, putain, c'est carrément plus rentable. Phoenix, ouais. Pour 23 970, c'est ça? Ouais, pour 350 miles, mon gars. Pour presque 3 fois moins de route, Phoenix, Las pour presque deux Vegas, fois la thune. vaccin de Covid. Vaccin anti-Covid, j'ai pris. On va livrer Ok, je prends. Prêt à rouler. des vaccins contre le Je vais pour Covid. ce dernier trajet. C'est où le remorquage? C'est dans le coin. Faut sortir. Ouais, je me suis préparé à sortir de toute façon. Ah ouais, mais non, ils vont pas me remettre mon camion. Parce que je m'étais mis en mode prêt à sortir. Là, j'ai ouais, mais putain, ça a passé dans le chargement. Mais si. Ah, c'est bon. Ah, il Tournez à pleut! droite. Il Non, pleut, il pleut, moi il gros. pleut À pas. gauche. Ah, je suis content. Je réglerai ça Tournez à après. droite. Merde. Par contre, j'ai l'impression que des fois à droite, mes feux, ils éclairent que dalle. Ah, c'est cool, c'est la pluie que t'aimes pas en plus.
Non, mais je mettrai à moitié prochain coup. Pour en avoir. C'est vrai que ça fait partie du. Allez tout droit. Ah bah moi je trouve ça plus classe, ouais. Ça fait Oh, il y partie a de du truc. l'orage! Ah bah voilà. En plus, ouais. En plus, en 1.4 et tout ça, ça va être. En 1.40, ça va être refait. Donc. Ouais, J'ai vu un flash et j'ai cru entendre un petit. autant que je le mette. Ah, ils disent que c'est 45. Ah bah c'est cool. Oh, il y a 2 secondes, c'était 65, 25, 35, mais mettez-vous d'accord là! Non, ils ont dit que c'est 45 en ville. Oui, non, mais Préparez-vous en à ville, mais tourner à eux, gauche. dans leur ville, sur même pas 10 mètres, tu passes de 60 à 45, à 25, à 35. Ah oui, Ah non, ouais, il mais. y a de l'orage, il y a des petits Tournez à flashs. gauche. Véhicule. Enfin, nous y Bon, je te voilà. laisse ramasser ta remorque. Eh, il faut mettre du coucou aussi. Ah, mais Bon, bon, c'est. on en mettra en partant, ouais. C'est à Chems. Par contre, c'est un labyrinthe le truc, hein. Ouais, je m'en doutais. Bah, il faut passer par la gauche. Ouais, j'ai Je m'y pris. connais, j'ai l'habitude de livrer pour ça. Pour Chems? Ouais, j'ai souvent fait ici. Enfin, c'était pas celui-là exactement, mais ils se ressemblent tous. Bah les Chems, Faut faire une marche arrière. Elle est où la remorque? Elle est là normalement, non? Elle est Quelque là, part elle là. est là où je suis. Ah oui, merde. Bah j'ai fait demi-tour moi en fait. Bah ici, ouais. Vas-y, je te laisse prendre. Bah tu vois la remorque qu'on prend? Ouais. C'est ça que j'ai acheté. Remorque Non, pour frigo. la pluie. Tu vois? Je pense que c'est ça c'est pour ça le prix en fait. Remorque frigo, ça te rapporte plus que ne. Même si la distance est moins longue en fait. Non, c'est de l'autre côté que tu dois tourner. Bah, je sais, j'attendais que tu partes. Non, mais tu peux commencer à braquer là. Je suis à fond, monsieur. C'est que j'ai pas de visu. Bah mais la ah oui, toi tu fais au rétro? Ouais, ça y est, je l'ai. Ah non, moi je fais caméra extérieure. Ah non, pour le rond. Tu vois, je fais peut-être pas les manœuvres à la fin, mais ça, je le fais au rétro à chaque fois. Ah bah donc je comprends pourquoi tu veux pas faire des manœuvres à la fin, parce que si tu dois le faire au rétro et Bah, j'essaie de si t'as pas garder le bilan. l'habitude Tu vois, tac, attelage, mon gars, t'as vu, tout au rétro. On est parti. Ouais, j'allais dire, te trompe pas de côté pour ce Bah tu soir. vois moi peut-être je joue moins que toi, mais le fait que je fasse le fait de les manœuvres pour stationner, je pense que je gagne un petit peu aussi. Enfin je me rapproche un peu plus de toi quoi. Parce que là je sais plus, je dois être ouais je suis niveau 16 Bah, je crois. là on est bah, je suis pareil, hein. C'est moi qui t'ai rattrapé parce que t'avais commencé vu que t'avais déjà fait un live et tout. Ah ouais, il y a les petits flashs de. C'est la première fois que j'ai l'orage par contre, ça c'est cool. Je suis content de faire partager en vidéo parce que. Bah il va être amélioré en plus donc. Non, mais sachant que c'est enfin le dernier, c'est Las Vegas. Ouais. C'est pas un gros trajet donc ce sera pas un épisode qui tiendra les 30 minutes, je pense. Mais je suis content qu'on ait le. Merde, non, c'était le plus vite ça. Vegas baby. Viva Las Vegas. Préparez-vous à tourner à gauche. Je freine. Tournez à gauche. Et je tourne. T'inquiète pas, j'avais mis distance de sécurité. Ah, faut pas me rentrer dedans, hein. Je transporte des vaccins contre le Covid, c'est important. Covid les fesses. Ah, mais si tu veux continuer à Que je te culbute de ta si, cargaison. bah, si tu veux Si. culbuter un peu partout, Culbute Jackie. il faut les vaccins anti-Covid. Ah, moi je culbute juste Jackie. Faut de temps en temps en passant. Tu noteras quand même qu'on n'a pas fait spécialement d'accident. On va peut-être faire le carton plein. Certes, Non, j'ai grillé 2-3 feux rouges, c'est je vrai. pense que la dernière fois, t'as
T'étais en train de... je sais pas... Je... Parce qu'on parlait... T'étais pas attentif. Ouais, j'ai pas vu le feu. J'ai vu le feu trop tard. Puis bah, maintenant, vu ce que tu m'as dit la dernière fois, maintenant, à chaque fois que je freine et qu'il y a un feu rouge, un truc, je te dis tout, moi, pour que tu saches, parce que sinon, si je te le dis pas, ça fait... BAM! Pourquoi t'as freiné? Bah, il y a un feu rouge, ah. Bah oui, parce que des fois, le visu et le GPS, c'est pas la même donne. C'est con, mais... Ah bah, moi, d'abord, faut regarder, hein. Y a pas les feux rouges sur le GPS, donc moi, je regarde d'abord le... devant moi et après je regarde le GPS. Ouais, mais si t'es devant moi, généralement, parce que des fois ça me cache, il y a des trucs qui me cachent la vue. Tenez ça la dépend droite. Si on est trop proche, sortez à droite. Comment ça donne. Ah, c'est dommage, la route elle était en 75. Ouais, mais on sort. Ouais, mais on va pas loin. C'est une petite course. Je freine hein, parce qu'il y a un feu rouge. Ouais, je me doute. De toute façon, je ralentis tout le temps moi dans les sorties. Tournez à gauche. Je fais toujours attention parce que je le sens pas. Ah, au fait, tu peux régler la barre de ton freinage hein, dans les options. Bah, comme je joue au clavier souris, moi, c'est pas... Oui, voilà. Bah, pourtant, ça fait une heure que je freine. Hein. Ça a pas voulu freiner. Bah, mais j'ai anticipé, tu vois. Ah oui, bah oui, et heureusement. Alors... Non, mais là, tu serais rentré dans ma cargaison. Ah oui, je me doute. Mais alors franchement, par contre, il a pas pris en compte le freinage. Ah bah après, ta cargaison, elle est peut-être plus lourde que celle d'avant. Hein. Non, j'avais anticipé le freinage justement avant de sortir à droite. Oh, il y a un hélicoptère qui vient de passer. Je l'ai entendu. Je t'avoue que j'ai pas compris. Ah, il n'y a plus de pluie. Je t'avoue que j'ai pas compris pourquoi il a pas continué le freinage. Parce que j'étais même pas... Je devais être à 30, allez, à peu près. Je suis arrivé au début du virage. Donc j'avais quand même bien anticipé normalement. Parce que c'était quoi? C'était 70. Moi je suis arrivé à 30-40 avant de tourner à droite. Allez, 40 avant de tourner. Quand j'ai commencé à tourner, j'étais à 30-33. Mais après, ouais, il a pas voulu continuer le freinage. Ça m'étonne que la cargaison elle m'aurait emporté autant quoi. Je veux bien que ça m'emporte un peu mais... Ouais. Ouais, c'est pas grave du moment que tu m'es pas rentré dedans et que t'as réussi à faire une esquive. Non, j'ai anticipé le truc. Je l'ai senti en fait que ça freinait pas. J'ai vu que la vitesse, j'avais beau appuyer, il considérait que j'avais pas appuyé. Alors que j'ai appuyé plusieurs fois. Justement parce que j'ai senti. Mais ouais, il a pas compté le freinage, il a pas compté le bouton. Pourquoi, je ne sais pas. Mais comme des fois, il veut pas que t'accélères le jeu. J'ai remarqué ça aussi. Je pense que c'est lié à des fonctions, ça. Peut-être. Genre, parce que tu sais, t'as plein d'options, genre les freins moteurs, les trucs comme ça, normalement. Et il y en a d'autres autour, je sais plus exactement ce qu'il y a, mais... Je me demande si c'est pas lié à ça, tous ces petits trucs. C'est des trucs un peu plus techniques. J'avoue que je maîtrise pas spécialement. Bah, c'est des trucs à cocher, tout ça. Moi, le frein moteur, je crois que je l'ai pas coché. J'ai regardé tout à l'heure et... Maintenant moi, que tu me dis. C'est pour ça que ça m'étonne. Justement, même là, il est pas fait. Même s'il calcule pas le freinage. Tenez la droite. Il a même pas essayé de freiner, il a pas ralenti. Oh là, on fait un move un peu bizarre. Ouais. À droite. Ouais, j'avoue. Bah, en fait, ouais, oh là, je vais ralentir parce que ça. Ouais, je pense que ça peut être un peu sec. Ça me ferait chier de me pencher. Et tourner à gauche. Donc. À gauche. Mais il y a un feu rouge. Je freine. Ouais, là j'ai freiné sec. Regarde, j'arrive à arriver tranquille. Ouais, bah, c'était peut-être. Je sais pas. Pourtant, j'ai essayé le calcul avant. Hein. Je me suis dit tiens je vais le tenter parce que en plus ça tournait donc c'est encore plus dangereux. Ça me fait plaisir, je vois des mecs passer et tout ça donc même sur le GPS. Je me suis dit on va tester, ouais sur la droite là-bas. Il avance pas vite. Il y a même un qui est passé en dessous de nous juste avant qu'on arrive là. Oui. Tiens il pleut plus, c'est ce que je voulais savoir.
Pareil, il y a des trucs aussi qu'il faut gonfler ou je sais pas trop quoi. Oui. Ah, mais il y a des trucs, des fois ça relève du détail, mais c'est dans d'occasion tu te dis le détail, j'aurais dû faire gaffe. Ouais, mais c'est bien parce que en fait, quand t'es un vrai chauffeur de camion et tu t'y connais, tu peux gérer ton camion comme dans la vraie vie, quoi. Bah ouais, c'est ce qui est cool pour les connaisseurs. Ah, tu peux autant y jouer en étant néophyte que connaisseur parce que tu auras accès à pas mal d'options. C'est ça. Ça sera laissé. Et pareil, t'as des. Tu sais, sur les remorques, des fois t'as trois roues, mais t'en as une qui est en l'air. Et ben. En fait, ça, tu peux le mettre dans les options, tu peux le mettre automatique. Ça fait que si le poids est trop lourd, et ben ça baisse la troisième roue en fait. Si la cargaison est trop chargée, ça baisse la troisième roue. Il y a une station là sur ta droite. On devrait la prendre. Ah putain, faut freiner, on arrive en ville. Ouais, mais prends la station. Hein. Il m'a pas écouté. Si. Si, c'est bon. Recherche d'un nouvel itinéraire. Je voyais pas si tu l'avais passé, je croyais que l'entrée était ici. Alors attends, il y a quoi? Il y a deux pompes. Ok, je prends ça à droite donc. Pas con le mec. C'est dit, je vais le laisser galérer. Ah bah je suis rentré un peu à l'arrache, je te le cache pas. Donc Ah parce que là je crois que ça va... Merde. Ah c'est du GP. Là ça va pas être 300 litres je pense, ça va être 500-600 litres. Minimum. Bah non, pourtant ma barre elle était plus basse, on est à 400 litres. Ah, non, 600, non, non. Ouais, quasiment, 481. Ouais. S'il a coupé le truc, t'as même pas remarqué qu'il y avait une petite bordure. Si, j'ai roulé dessus. Pas grave. Pourquoi le jeu veut que j'arrête mon moteur? Je suis en train de rouler, il me dit Ah, la première sortie. Rond-point. Ah, cool. Sortez maintenant. C'est le rond-point qu'on a, pris tout à l'heure. Le rond-point 65, ça me paraît un peu chaud. Non? Bon, je sais pas. Les mecs, ils t'annoncent 65 dans le rond-point. Non, c'est des malades là. Sérieux, là, par contre, ils ont oublié de régler le truc. Bah, ils ont mis un panneau où il fallait pas, et puis voilà. Ah non, le. Ouais. Non, non, ils ont laissé la vitesse. Regarde, et tu sors, c'est 30. Non, y a pas comme un problème là? Ouais. C'est 65. C'est quoi ce truc? Alors tu peux prendre le rond-point à 65, mais une fois que t'as fait 10 mètres après le rond-point, il te dit que c'est 30. Et puis après te redis c'est 65. Non, tu te fous de ma gueule le jeu. Tu voulais que j'aille. Tu vois, ça c'est le genre de détail qui peut te faire avoir un accident si tu fais pas gaffe à ton GPS. Parce que tu te dis c'est bon, c'est 65, je peux arriver à fond de cale et en fait tu te prends le rond-point et tu finis tout droit. Ah non, ouais, d'accord. Non, en fait, toi, je vois comment tu mets souvent de l'essence, en fait. Malgré que t'es censé avoir un truc de... truc d'essence... Ouais. Bah t'as que 30 ou 33%, je crois. Ouais, mais comme... d'économie d'essence, ouais. D'économie, c'est qu'un tiers d'essence, hein. C'est pas si ouf que ça. Je suis devant en fait. Je te vois plus sur le GPS. C'est parce que je dois être un peu plus loin que toi. Même en dézoomant à fond, je te vois pas sur le GPS. Je vais ralentir, histoire que tu me... Dès que tu me vois, tu me dis, hein, je réaccélère. Je t'ai dit, j'ai freiné pour le rond-point, et comme après le truc qui m'a perdu, j'ai ralenti, parce que je me suis dit, on sait jamais, ça avait l'air de compter en ville.
Je sais pas, je suis passé, j'étais pas en ville, je me suis retrouvé en ville alors que j'étais à l'extérieur. J'ai mis J'étais mes sur gyros pour que la tu me même vois route. au loin. Bah, de toute façon, je te. Wow! J'ai un freeze. Ah, c'est bon, j'ai eu un gros Ouais, freeze. c'est une sauvegarde. Bah, non, j'ai pas eu la save justement. C'est pour ça que ça m'étonne. Mais je te vois pas. Mais j'ai pas été sorti, moi. T'es sûr que t'es devant moi? Ouais. Là, je viens de passer un panneau 93. Il te reste combien de miles à faire? Il me reste. Ah si, ça y est, je te vois, je te vois. Ah bah ouais. T'arrives là, t'y es presque. J'ai eu peur qu'il m'avait éjecté sans que je C'est me moi rende là, compte. tu vois une gyro? Non, je te vois sur le GPS pour l'instant. D'accord. Je te vois pas. Ah. Attends, je sais pas si j'arrive à te voir. Non, je te vois pas encore. Je viens de rentrer sur le pont. Bah là, je vais y rentrer dans pas longtemps. Je suis Je te sorti vois, du pont. je vois ta remorque. Tu vois ma remorque? Ouais. Je réaccélère. C'est bon, ouais, vas-y, accélère parce que j'arrive derrière toi. Ah ouais, je te vois. Attends, je vais freiner parce que là. Bah, la voie Bah, c'est pas se facile parce referme. que Donc. je devrais rentrer dedans là. Tant que tu réaccélères, je suis à 45 là. J'attends que tu reprennes de la vitesse. Ouais. On est une petite porte de sécurité quand même. Je suis en pleine montée là, je suis à 53. On va faire une boucle. Bien avant, que je pense que ça risque de tourner un peu raide. Ça risque d'être en descente. C'est Bon, bah, tu vois, en plus, 45. c'est 45. Ouais. Je t'ai dit, c'est que ça va être un peu raide. Ouh. Allez, on lève les mains. Ouais, ça a l'air d'aller. Ah, ça remonte en plus. Ça descend pas, ça remonte. Ça descend pour remonter en fait. Ah bah les routes hein. Ah, c'est toujours 45? Ah non, 75, j'allais Ça dire. passe à 75. J'allais dire, il faut. Ma gueule! Ma gueule le jeu là. Pour express à 45, ça express que dalle. Un peu plus de la moitié déjà. On va bientôt, on devrait, on pense bientôt arriver parce que là on va faire le plus gros, on va accélérer et puis peut-être les 50 derniers miles. Je pense que ouais, on a 75 miles là à peu près en voie rapide. Après le reste, ça va être pour rentrer à Las Vegas. Bah, c'est cool, on va pouvoir voir Vegas. Ouais, On va rentrer dedans justement. on va même rouler On aura dedans. quand même réussi. Bah oui, bah si tu rentres Puisque dedans, oui, tu on pourras va devoir rouler. aller jusque la zone industrielle, je crois. Oui. Enfin non, même plus, je Bah crois oui, qu'on j'imagine. va on va Quoique c'est on, Covid, donc ouais, c'est Covid, on va aller en ville, on va le mettre dans un magasin. Ouais, ça va être sûrement King, de. Kingsman à droite. Allez tout droit. Ouais. On voit que dalle, y a pas une lumière à Kingsman, à part Ah si, un bâtiment. bonjour, ouais. Qu'est-ce que t'as fait? T'es planté? J'ai failli. Je regardais Kingsman. Ah oui, fais gaffe parce que y a un truc qui dit ce que tes yeux regardent. Oui. Tu te diriges dans cette direction en vrai. Non, sauf que là, je vais me retrouver pilonné en plein milieu Tenez entre la les deux. droite, J'ai pas le choix. sortez à droite. Heureusement que je m'en suis aperçu.
Ah, ça va tourner sec. Ah bah tu vois, on va même pas faire nos 75 miles, j'ai l'impression. Sortez à droite. On va passer Oh là, je freine, feu rouge et Tournez descente. à droite. Il n'y a personne, je passe même si c'est feu rouge. Vegas baby. Bientôt. Encore de la marge, une petite marge. Ouais, on va. Que là c'est Kingsman, là. On doit contourner, j'imagine. Normalement, on passe de, on a fait tout le tour de Kingsman quasiment. Un petit burger Je là. respecte, madame. Ouais, y a un burger. Moi, j'aime bien croiser les donuts. Ah, le gros donut, Oh. ouais. Ça me fait toujours triper ça. 55. Je peux accélérer. 65, c'est bon, tu peux accélérer. Ouais, tu vois, on a encore de la voie rapide. Ah oui, il y a un mec à la pesée, mais il a l'air d'avoir une sacrée cargaison. Je crois qu'il avait 3 citernes. Ah, ça se J'ai peut. bien vu. J'ai déjà eu trois trucs de bois, donc ouais, ça se peut. Trois citernes, si c'est possible, c'est possible, c'est possible. Déjà vu, je crois. Bah, par contre, faut bien faire gaffe, quoi. Au niveau des virages et tout ça, faut prendre Oui. son temps, quoi. Ouais, faut y aller à la barbare. Bah, tu roules un peu moins vite quand c'est ça déjà, à part Bah, les moi, deux trois là. le truc avec les trucs de bois, je l'ai fait en solo et quand je tourne, quand je prenais des virages, avec des voitures qui attendaient, j'avais un peu peur qu'ils se collent, tu sais, qu'ils décident d'avancer. Ouais, c'est relou ça. Ça, je l'ai déjà Ouais. vu. T'es en train de Ouais, tourner, le mec il forcément. avance et tu dis, mais Ça non, coûte. arrête, je suis en plein virage. Tu vas te coller à Oui, ça ma coûte très cargaison. lourd par l'IA. Et puis il se colle encore et puis boum, ça marque, vous avez fait un accident. Ouais, non, mais ça c'est Alors que relou c'est l'autre quand con même. qui a rentré dans ta remorque sur le Bah oui. côté. Et le truc, c'est que même s'il te rentre pas dedans, il se bloque net et Ouais! que toi t'es obligé de créer Et... l'accident pour pouvoir passer. Oui, c'est ça, des Ouais, fois donc tu tournes à c'est gauche, compliqué. genre tu tournes à gauche et le mec il vient de ta Ouais. gauche et il avance un peu, il se bloque au niveau de ta truc et tu Voilà. dis putain, maintenant comment je fais? Ouais, t'es coincé, t'es obligé de le toucher, créer l'accident, donc prendre la pénalité qui tourne dans les 1000 $ et ça m'est déjà arrivé. Tu sais ce qui m'est arrivé moi? J'ai dû faire l'accident parce que le mec il s'était littéralement collé à ma truc. Donc quand j'ai avancé, j'ai eu l'accident, mais après il était coincé. Ma cargaison était coincée à cause de lui et je pouvais plus avancer. Eh oui. Ouais, non, mais ça Et c'est j'ai relou, je comprends. galéré. J'ai dit non mais les gars, putain. Et je crois que peu de temps après, quand je jouais. Je faisais que du multi parce que je me suis dit au moins il n'y a plus le. Il n'y a plus les voitures débiles là. Ouais, bah j'avoue, généralement quand ça t'arrive ce genre de truc, tu dis ouais, bah je vais sur le multi la prochaine fois parce que là ça m'a gavé. Ah bah carrément. J'aime bien le trafic, mais des Moi fois. aussi, j'adore ça. Ça rend le côté plus réaliste, quoi. Puis tu t'endors moins. C'est moins monotone quand t'es tout seul. Et tu sais Puis que c'est vrai que d'habitude, quand t'as un. Tu racontes. ça m'arrive pas quand je joue aux jeux vidéo. Et que quand je jouais en multi solo à ATS, bah ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de piquer du nez. Hein. Mais en vrai en fait. Ouais, non, mais moi Je suis aussi. en train de conduire, puis d'un coup je me sens partir et je dis mais qu'est-ce qui se passe? Bah, j'étais en train de m'endormir. Et je dis bon bah je finis ma cargaison et. Bah, c'est parce que, Et ouais, pour j'arrête faire le ce jeu. multi, le jeu te demande quand même d'avoir la concentration comme si tu conduisais en vrai. À partir du moment où tu joues un minimum 6 mu et tu fais gaffe, ça te demande de faire attention Bah quand au tu fais GPS, quand aux roues. quand t'es en solo et que Et puis c'est apaisant. tu Ah joues ouais. et tu fais gaffe, d'accord, mais quand j'étais en multi, il n'y avait pas de voiture, il n'y a rien, tu Bah roules oui. sur de la route, au bout d'un Ça. moment. Et t'es en Ouais. régulateur de vitesse et que tu fais pas trop gaffe, et ben au bout d'un moment, je commence à décrocher.
Bah, c'est ce que je te disais. Et je me suis dit quand je vais le faire avec. Quand je suis tout seul, je vais dans le solo. Je me suis dit quand je vais le faire avec toi en multi, il y aura pas ce problème là parce que je parle, on roule ensemble et tout ça donc. Et puis c'est en journée aussi. Non, ça m'est déjà arrivé en journée hein. De piquer du nez, ouais. Alors que j'étais pas fatigué, hein. C'est le jeu qui m'a. Ouais, ça t'a percé. Le jeu me perdait quoi. Ah non mais je comprends le truc. Je t'ai dit moi ça me perd. Sortez à droite. Moi qui aime pas spécialement. Je sors. Justement, on m'a toujours dit, mais pourquoi tu jouais ça? Mais parce que ça me berce. Je crois que c'est un peu comme Hearthstone ou ce genre de jeu, tu vois un peu. Ça bon, bah tant pis. Feu rouge, hein. Ah, j'ai vu. Oh non, c'est dégueulasse! Tu t'es pris. Bah oui, je me le suis pris juste là en sortant, quoi. Mais non, quand j'ai freiné dans le feu rouge, j'étais à l'orange. Ah mais ça compte pas ça. C'est dégueulasse. Je t'ai dit tout à l'heure, il m'a mis l'amende quand je suis passé et c'était orange. Ah, on est dans le côté Tenez la gauche. J'ai découvert une agence. Bah voilà. De recrutement. Je parlais. C'est ce que j'étais en train de dire. Tournez à gauche. Ce que j'allais dire, moi j'ai le point d'interrogation aussi. Je vais l'avoir juste derrière toi. On est dans le côté. Comment on appelle ça? Le côté commercial. Enfin. Ça manque un peu de les, les boutiques et tout ça de. Bah, de Las Vegas. Ouais, un peu. Mais t'es où toi? Bah, je suis derrière toi. J'étais au feu rouge. Bah, je suis au feu rouge là. Non mais celui d'avant. Je vois. Ah j'ai pas mis ces portes là sur mon truc. Ouais j'ai attendu pour que tu sois avec moi en fait. Calme-toi Vicky. Donc j'ai vu que moi j'ai mis tu sais c'est les plaques que t'appuies sur un bouton et la plaque elle descend et après quand tu peux mettre des marchandises dessus et après tu auras appuyé sur un bouton et ça fait descendre une plaque. Fais gaffe parce qu'il y a un mec qui arrive hein, si tu dois tourner. Bah je suis au feu rouge. Il risque de tourner peut-être à droite. Oh là là. Tu vois, non mais je te l'ai dit. C'est pour ça que t'avais dit fais gaffe. Il va vite hein. Bah carrément, je t'ai dit il y en a, c'est des bourrins. C'est pour ça que je t'ai dit si tu dois t'engager, fais gaffe. Je le sentais le mec, je l'ai vu arriver le point, il allait quand même assez vite. Allez, on est parti. Je me suis dit, ça sent la rodka, ça, si tu t'engages, le mec, il y va sec. Parce qu'ils sont sans pitié. Tenez la droite. Tu prennes un peu raide. Et tu touches à remorque ou la tienne. De quoi? La gauche, puis tourner à gauche. Bah, pour tourner au feu rouge alors qu'il te restait 2 secondes, t'aurais pu attendre le feu vert. Tourner à gauche. Ah ouais, mais je ne savais pas. Putain, je m'arrête à peine, le feu il passe au vert. Gare en face, on voit tous les hôtels et les casinos. Ouais. Oh, celui-là il est tout illuminé. Eh, y a même la pyramide. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas si j'ai la bonne. Je suis sur le bon truc. Ouais. Comment il s'appelle celui-là à gauche? Je m'en rappelle plus. Eh, je vais toucher. Non, c'est bon. C'est. Oh putain. C'est pas le Bellagio? Ou le César? Ouais. Je sais plus. J'ai un doute. Peut-être Bellagio, ouais. Il y a KFC là-bas. Il y a un panneau KFC. Ah, c'est écrit King, mais j'imagine que ça ressemble à un truc de radio. Alors, par contre, comme j'ai ta remorque, je vois rien du tout, tu vois, c'est ça le truc en fait. Des fois, ah bah faut sortir en fait. Des fois, j'ai mais dégueulasse. À droite, il y a des trucs avec des lumières machin, on dirait des autoskaters. Skater? Ah ouais, je le vois derrière.
Bah, je le vois moi avec ma vitre arrière. Oh, y'a un train! Gars, juste au-dessus là qui passe, y'a le train. Un monorail. Y'a le monorail, le fameux monorail. Ah, je me suis pris la menthe, hein, comment c'est possible? Il est resté. Le feu il a duré quoi? 15 secondes, même pas. C'est abusé là. Moi j'avais vu qu'il était rouge, hein, mais je me suis dit, c'est bon. Ça me faisait yesh. C'est abusé, le feu il a duré 2 secondes. T'étais à peine de l'autre côté de la route. Tenez la gauche. À un moment, faut pas abuser. Ça, j'ai fait 3000. Oh de... Ah non. Tournez à gauche. Ah non, j'ai cru que. Enfin, il y a quand même pas mal de monde à droite. Je vois ça carrément. Mais il y a des hôtels, il y a les icônes hôtels aussi donc. Ouais, et les stations. Il y a l'essence aussi. Eh, il y a une jolie remorque. Bah, ça, tu vois, ça, c'est sa remorque. Eh bah, tu vois, c'est ça, c'est cette remorque là que je viens de te parler. Oui. À la fin, il y avait un autre truc. Bah, ça, c'est sa remorque personnelle. C'est tout rouge, quand tu veux tu passes au vert. Je te dis, c'est abusé des fois les feux. C'est pour ça que tout à l'heure c'est dégueulasse, le feu il a changé super vite, t'as juste eu le temps de traverser. Allez, c'est parti. Rouge, toi. Que moi le temps que je m'engage c'est déjà rouge quoi, c'est juste abusé. Bon, t'étais pas si loin que ça devant moi. Hein. T'as beau avoir un camion, faut pas. Tenez la droite. Le truc que je suis un peu déçu, c'est que j'y livre très rarement, tu sais, dans les ports ou dans les aéroports. Oui. J'aurais bien aimé livrer dans ces trucs-là. Oh merde! Attends, stop! Vous êtes arrivé à destination. Votre guidage routier est maintenant Attends. Terminé. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, bah, c'est là, en fait. Il faut que tu recules. Parce que en fait elle m'a dit tu tournes à droite et à peine je suis rentré elle m'a dit tourne à droite et je l'ai vu qu'après en fait. Ah, je vois rien derrière moi, tu sais que c'est noir complet. Vas-y, vas-y, tu peux reculer, tu peux. Voilà, je vais prendre un peu large, je vais essayer. Oh, je t'ai dit de toute façon, déjà t'arrivais trop sur le trottoir. Ah oui, elle est là l'entrée, ok je vois. Ah ouais, non mais je te l'ai dit. Hein. Je t'ai vu passer déjà le trottoir, je me suis dit qu'est-ce qu'il faut. Oh là là, oh, ça va être... Vas-y, c'est bon, tu vas pouvoir passer là. Fais gaffe sur... Ah, je suis obligé de me coller au truc. Alors attends, je prends mon emplacement. Vas-y. Ah bah c'est là-bas derrière. Donc c'est bon, j'ai réussi à remettre ma remorque. Ah. J'aurais pris 3 000 $ d'amende de feu rouge aujourd'hui. Cool. Ah la pute. Mais exactement. Moi aussi, c'est ce que je dis des lois. Non, mais ils l'ont mis là-bas au fond. Faut, ah, faut que je fasse. Faut que je fasse tout un demi-tour. Avec tes conneries, je touche. J'y crois pas. J'ai dû faire un demi-tour dans le truc, toi. T'imagines? Ah, je vais toucher là, attends. Comment je vais passer maintenant avec les conneries à Butters? Bah, faut que tu recules. Puis t'essayes de prendre assez large. Mais qu'est-ce qu'il a mon camion? Pourquoi il cale? Ah, t'as rien touché? Bah non. Ah merde, j'ai mal géré. C'est con, je l'avais bien faite. Ok. Bah déjà là je me prends même pas la tête parce que sérieux.
J'ai bloqué légèrement la remorque là, avec tes conneries, j'ai oublié de tourner. Je sais pas comment je me suis retrouvé. Ça va, 24 000 $. Ça va, j'ai envie de dire, je m'en sors bien. Et ben voilà, on l'aura fait notre... Comment ça s'appelle? Notre Las Vegas. On ah putain, ça y est, j'y suis. Ah, t'imagines tout au bout, à côté des caisses et tout ça, ça, entre une remorque et le mur, machin, ils ont dit, vas-y, c'est là que tu dois te mettre. Bah, pourquoi tu crois que je me fais pas chier? Alors, je me suis fait 23 979. Ouais, c'est ça, ouais, 24 000, quoi. Ah. Ah ouais, donc on va... Avant de quitter, je vais régler le... Ah non, quoi que je vais... Je vais quitter maintenant. Enfin, je vais éteindre le stream maintenant et puis je vais régler le... What are you doing? Donc, bah, merci à tous d'avoir regardé. Hein. J'espère que ça vous a plu. J'espère... Ouais, j'espère que les... J'espère que les aventures de... De Jackie et Michel vous... Vous plaisent toujours autant. Bah, ils sont en train de s'énerver là. Là ils sont en train de se vénérer entre eux, donc je vais... Il y a embrouille. Ouais, là il y a embrouille. Allez, on se quitte ici, c'était un bel épisode. Ouais. Je laisse tourner un peu pour les embrouilles, pour ceux que ça intéresse. Sur ce, prenez soin de vous. Et je vous dis à ciao les amis. Ciao, ciao.